Et bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Nous sommes le jeudi 21 mars, les French War Game Day, c'est fini. Et j'espère que vous allez bien. Du coup, salut Alkesh, salut Turbaran, salut Skullgrim, salut Shadow, comment ça va-t-il bien? Et coucou Accro, enfin du moins re-Accro. Donc ce soir, vite fait, on va faire un petit débrief en compagnie d'une partie de l'organisation donc, de MCP, donc Marvel Crisis Protocol, avec le porte-parole de la JSA, Shadow. Malheureusement, Nono n'a pas pu venir, donc voilà. Donc on va aller voir ça ensemble. Salut Shell, Triple H, intro ou rien, monsieur? Ah non. Je préfère John Cena. Donc aujourd'hui, vite fait, j'en parle avant que ça commence. J'ai eu rendez-vous avec la médecine du travail, donc par rapport à mon pied, tout ça. Et effectivement, c'est pas prêt de se remettre. Donc moi qui pensais reprendre le boulot fin du mois, bah c'est mort. Donc ça sera quand je pourrai, bien évidemment. Et du coup, on va prolonger l'arrêt de travail. Et dès que l'arrêt de travail sera proche de la fin et que je pourrai reprendre le taf, on mettra en place donc l'inaptitude au boulot. Voilà. Donc je vais basculer vite fait en vocal, voir un peu les copains, puisqu'on a Skullgrim, Shadow et Zekios qui sont là également. Salut Zek. Et je vais les rejoindre. Donc je pars en stream et je vais les rejoindre directement. Salut Shadow. Salut Skullgrim. Et salut Nounou. Bonjour. Mais non, mais c'est... Ah, qui est con, Dan. Dan, arrête de toucher à tout, reste là. Bonsoir. Je vois rien, par contre, du coup. Non, c'est normal. C'est normal, okay. De toute façon, t'as même plus la caméra, donc... Non, c'est nul. Non, mais tu peux la remettre, hein. Attends, il faut que je repasse. Donc, vite fait, avant d'attaquer notre retour sur le FWD, on va aller voir ce qui a été annoncé ces derniers jours. À l'Adepticon 2024, donc pour Warhammer, parce que Atomic Mass Game n'a toujours pas fait d'annonce. N'a toujours pas montré de photos. Donc on va aller voir ça de suite. Normalement, si tout va bien, c'est ici. Et hop, voilà. Les annonces de fou, oui, oui. Et on voit donc le nouveau papa. C'est vendredi soir, les annonces AMG, je crois. Ouais, je sais, ouais. Donc on va commencer par du lourd, du très très lourd. Les Slaves to Darkness. Obligé. Non mais c'est bon, il est reparti. Oh. Ouais, lui ça va être de l'instant buy. Hein. Mais toute sa clique en fait, apparemment il a une équipe qui est avec lui. Enfin monstrueux quoi. Il est beau hein. Elle est magnifique. Du coup, j'ai pas dit bonjour, mais du coup, bonsoir Skullgrim, bonsoir Zekios et salut Shadow. Salut, salut. Ouais, tu vois, plus 3 barres de garde. À cheval en plus. Comment ça va, les copains? Bah écoute, ça va très très bien. Ouais. Hormis une grosse crève que j'ai chopée tranquillou jeudi après-midi avant de partir et puis qui s'est bien développée tout le week-end. Ça a été assez compliqué, là je la traîne encore, mais on a eu toute la force qu'il fallait pour assurer, pour tenir à bien ce petit week-end pour MCP, et on s'est franchement régalé. Ouais, on en reparlera un peu plus juste après, mais effectivement c'est vrai que c'était bien, c'était très très bien. Et du coup Alkesh, tu le vois lui en espèce de, aux couleurs un peu bleutées, ton dragon là, en mode dragon roi lich. Moi j'imagine, je pense que ça peut être sympatoche à faire. Dis ça, je dis rien. Soit doit être l'équivalent de Eternus pour le côté arcan. Ouais, Eternus d'ailleurs me tente bien aussi. Je trouve très, très belle figurine Eternus. Mais lui, bleuté un petit peu en mode dragon des glaces là. Mmh. Il est beau. Hein. Il est magnifique. Oh là 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 là. La boîte est folle. Dawnbringer. Osef, on est sur une chaîne MCP. On est sur une chaîne de Wargame. On n'est pas une chaîne de MCP à 100%. Attention.
90% c'est du MCP, oui monsieur, mais seulement 90%. Mais effectivement, tu as raison, tu as raison. Là, j'attends mes fosses là, qui viennent à la maison pour qu'on puisse enchaîner les tournages de rapports de bataille. Bon, des nains, voilà, bon, pff, des nains pour Old World, je suis pas fan. Ah, c'est les anciennes, anciennes gurines quasiment, non, en plus hein. Ouais, ouais, qui remettent au goût du jour, quoi. Ouais. C'est un peu le problème de Old World, c'est que pour les anciens joueurs, c'est du déjà vu, quoi, en fait. Turbaran, chute, y en a pas. Ah, il gâche tout. Ah, elle est sympa, celle-là. Vous voyez qu'il a quelqu'un sur les épaules ? Je crois pas, non. Je crois qu'il a plus une armature, mais bon, on sait jamais avec... Il y a quand même un genre de... On dirait qu'il y a quand même un pied qui dépasse, hein. Ouais, là, là. Enfin, les bras, du coup, c'est en qui, bas, quoi ? En bas. Ben ouais, tu vois, c'est le bras d'un black. Et juste en dessous, au niveau du ceinturon, tu vois à côté. Ah oui, là ! Ouais. Ah oui, il a quelqu'un sur les épaules. Il y avait un héros de Tsench qui était comme ça, qui avait un démon sur l'épaule. Qui, Mais ça aussi, ça, c'est pour Underworld, putain. Ça fait chier. Hein. Tu peux pas tout faire. C'est compliqué. Non, il faut choisir. Et sur Underworld, ils font des super. Parce que, moi, j'ai encore beaucoup d'Underworld en plus. Ouais. Je suis en train de les revendre. Il y a des beaux trucs. Et merci infiniment, Frinx, pour ton follow. N'hésite pas à prendre un thé, un café, un chocolat chaud et à venir t'installer tout près de nous. J'offre également les croissants et les chocolatines. Bienvenue à toi. Bon, ça, c'est des mangeurs de... Ah non, il y a des ossiarques. J'allais dire des mangeurs de salade, mais en fait, non. Ah, si, c'est des mangeurs de salade. Ouais, elles sont pas belles. Oh, quelle horreur. Bah en fait c'est dégueulasse, ils font pas de grandes choses. Ah là là, les Space Marine du chaos. Bon beau. Hein. Old World, le jeu hypé cher, hyper cher pour des filles il y a 30 ans. Ouais c'est ça. Je ferais bien du Warcry ou Kill Team, mais faut faire des choix MCP ou Star Wars et Star Wars Légion pour moi. Ouais, même Star Wars Légion, je pense que tu peux zap. Hein. Coucou Keshian. Salut Keshian, comment vas-tu? Putain, j'ai même pas fait gaffe en plus. J'ai lu son commentaire, mais j'ai pas... Ouais, Shatterpoint, pardon. Comment vas-tu, Keshia ? En fait, félicitations. Encore une fois, je te le redis, félicitations pour ton prix peinture. Bravo à toi. Mérité, clairement. Mérité, bravo. Ouais, ouais. Elle est folle, cette armée. Même si, franchement, l'armée d'Erwan, je trouvais sa République Galactique en rouge avec qui plaisir. Claquait bien aussi. Oui, il y avait un peu de niveau, c'était cool. Ah, la team Votan pour Kill Team. Ah, j'aime bien. J'aime bien les manteaux en cuir comme ça, ils sont classe. Ils ont bien personnalisé chaque membre, c'est pas mal. Ouais. Ah, c'est original, là. Ah, les pas mal avec l'arbalète, ouais. Ouais. Les casques sont sympas aussi, j'aime bien. Ah, c'est une femme Votan en haut à gauche ? Bah ouais, écoute. Ouais. Oh, prépare du MCP, mais pas sûr de battre Lucifiel en peinture. Bah écoute, Adrien, il a fait des tutos LED, vas-y, charge. Ouais, j'en ai fait aussi au cas où. Ouais, non, mais les LED, c'est bien pour Noël. Hein. Team Noël bientôt. Ouais, pas grand chose. Allez! Hop! Là. Et... je peins, je suis pas électricien. Ouais, non, on est d'accord. Ouais, AOSV. Mais non! Avengers! Thank you! Bah, j'ai pas le choix du coup. Les gars, vous venez se battre avec moi? Tu as pas mis la caméra, tout va bien? Parfait, nickel. Et merci Keshian pour le sub, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Hop, regarde. Le petit Wall of Fame. Du coup, on va mettre ton pseudo. Ici. Alors c'est... QEY
Non, il n'y a pas de Y. S-S-H. Yang comme Yang. Ouais. Du coup, voilà. Et bah, tu vas me faire des. On va faire des squats. On va faire des squats. Squats. Quoique, est-ce que j'ai la force? En vrai, est-ce que j'ai la force de les faire après un week-end de fou? T'as eu la force pour les faire avec, avec Evie, donc tu peux l'avoir. Ouais, mais c'était reste. Evie, c'est pas pareil. D'ailleurs, faut que vous savez ce que j'ai oublié là-bas? J'ai oublié mes posters. Ah merde. Ouais, j'avais des posters Marvel en plastique, là, je les ai oubliés. Je suis un peu dégoûté, ouais, je suis un peu dégoûté. Allez, bon, on va faire des squats. Du coup, ça va paraître un peu vide là-bas derrière. D'habitude, j'ai mon poster de Miles Morales, donc voilà, ça va être un peu vide. Allez, on va faire des squats. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Voilà. Oh, ils sont beaux. Ouais, petite naturelle cache. Franchement, t'es faible. Alors, du coup, est-ce qu'on a des caméras? Est-ce qu'il y en a qui veulent se mettre en cam? Le crack qu'on a entendu, c'est le short? Absolument pas. Il est tellement... tellement large, on peut y mettre deux cuisses dans chaque manche de pantalon. Par contre, j'ai plus de souffle. Ouf. Ouais, mais je déteste les squats. C'était un P? Non, c'était pas un P accro. Arrêtez, les gars. On commence pas. Hein. Du coup, on va un petit peu papoter tout cela. Alors, ben, je vous écoute, les gars. Votre ressenti sur le FWD. Les plus, les moins. Tu commences par qui? Allez, Shadow. Déjà, le bon stress à l'annonce qu'on était nominé grâce à Dan pour organiser un tournoi au French War Game Day. Ouais. Donc, mine de rien, c'est pas un petit événement. Hein. À la GSA, on est habitué à faire quelques petits événements à droite à gauche, mais rien d'aussi gros. Donc, en plus, Dan est allé voir un peu tout ce qui peut se passer, notamment chez Ivy à Paris. Donc, il y a eu un très très bon contact. Donc il a formé sa team avec Ulrich, donc sur l'aspect technique. Et après on y allait après avoir organisé tout la GSA derrière nous, on a pris tous les décors de l'association, on en a monté certains, on a envisagé d'autres, et on est arrivé. Donc on a été super bien accueillis, surpris que moi qui avais été l'année dernière en tant que joueur, j'avais déjà trouvé que l'ambiance était assez incroyable et assez apaisée au niveau des bénévoles. Bah, c'est pareil en étant dedans. Il est super, super accessible, super détendu. Tout le monde. Mmh. Tout le monde était super cool. Ouais, c'est vrai. Bon, oui. Ah oui, oui. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est le ressenti, effectivement, ouais. C'est le ressenti. Zekio, c'était là? Oui, je suis là. On t'écoute alors, vas-y. Pour ma part, ça a été mon premier event dans le hobby. Donc mon ressenti, ça a été que ça a été ouf déjà. Les gens très accueillants. Beaucoup. J'aurais pas pensé qu'il y ait eu autant de monde. Parce que avoir autant de monde sur un event comme ça, c'est juste impressionnant. Donc j'ai connu de très bonnes personnes avec qui j'ai pu parler, que j'ai pu faire un débrief de l'event, de comment ça se passait, des figurines et tout ça en rapport de jeu et tout. C'était vraiment bien. Et l'organisation, elle a été vraiment parfaite, vraiment. Sur ça, il n'y a rien à dire. Et j'espère pouvoir refaire un event comme ça parce que c'est quelque chose à faire, vraiment. C'est tout le monde à y aller et profiter. À demain, mon cœur. Effectivement, ouais, c'était bien sympatoche, ouais, j'avoue. Dan, si tu veux mettre ta cam, tu peux, mon poulet.
Alors attends, bouge pas parce que là je le prends, c'est que tu vois, je suis sur la salle d'attente sur le Discord et je vois pas l'option où je peux me mettre où je peux mettre la cam. Tu vois, en fait, j'ai un gros écran en salle d'attente et si je rejoins, à chaque fois ça va basculer dessus. J'ai pas accès au reste de Discord, donc pour mettre la cam, je ne Alors vois pas où attends, je peux bouge la mettre. pas. Bah si, t'as le grade pourtant. Autorisation pour moi, par exemple. Ouais, toi c'est normal parce que t'as pas le grade, mais bah, maintenant c'est fait. Hop. Non, tu vois. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je vois pas. Attends. Ah, ben voilà! Ça y est, on a Là, tout t'as le tout le monde. monde. Voilà. Bon, je vais Oh, ok. juste baisser ma Nickel. tête, du coup. Alors, c'était quoi? Bah, tu me dis quand tu es ok. C'est bon pour Attends, moi, deux visiblement c'est secondes. bon pour tout le monde. Juste, voilà, je baisse ma Ouais, c'est tête. ça, c'est ça. T'as raison, entièrement raison, Eric. Eric, d'ailleurs, bah tiens, c'est le message qu'on a passé, la petite surprise qu'on a faite. Il faut savoir que donc à Odartai, ça fait la troisième édition qu'il fait pour le French War Game Day. Et le gros comic relief de Aude, à chaque fois, c'est toujours de demander du Coca Zéro. Voilà, donc cette année, on s'est décidé avec Arnaud et avec Vincent, donc Gugurik et The Shadow, assez rapidement pour se dire, ben voilà, on va faire passer un petit message à Ivy qui revienne avec une canette de Coca Zéro pour lui offrir. Et c'est ce qu'on a fait pour le tournoi, une fois qu'on avait fait tout le classement des joueurs, voilà, un message spécial. D'ailleurs, c'est Arnaud qui m'a sauté dessus, qui a pris le pack, je l'ai laissé faire. Et on était super super contents de pouvoir voilà que Julien fasse un petit message passe un petit message à Eric avec du Coca Zéro. Surtout que nous c'était assez drôle avec Arnaud. Tous les lundis soirs on avait les vidéos du coup orga avec tous les orgas et à chaque fois Bastien et Manon, ils disaient bon ben c'est bon, il y aura du Coca Zéro, normalement tout va bien quoi. Mais Et nous, on faisait marrer à chaque fois parce que on savait que c'était juste pour celui-là, quoi. si je dis pas de conneries, à Odartha, est-ce que t'as pas appelé Ivy pendant son SAV du Wargame pour lui demander s'il y avait du Coca Zéro? S'il allait avoir du Coca Zéro? Il me semble que t'as appelé que tu l'as appelé pour lui demander ça en plein live. Ouais, Ben je m'en souviens. ouais. Je m'en Il souviens. avoue. Je m'en souviens. Et le C'était pire, quoi? à chaque fois qu'on savait que sur les réunions, quand il y avait Bastien et Manoué qui en parlaient du Coca Zéro, nous on se regardait avec Arnaud et puis on était mort de rire, quoi, parce que c'est le bon comic relief qui a vachement bien marché, après aussi au final. Donc, voilà. Du coup, l'année Donc prochaine, on était ravis, quoi. pour l'année prochaine, ce que je propose, les amis, c'est que tout le monde qui se retrouve au FWD ramène une bouteille de Coca Zéro. Voilà, comme ça, on en ramène tous une, comme ça, il aura le stock pour toute une année. Ils avaient chargé la palette, de toute façon, rentrée Tu en plus. m'étonnes. Et tout Ah ce ouais, qu'il y c'est avait ça. comme monde, Ouais, c'était ouais, ouais. incroyable. C'est Incroyable. clair. C'est Du clair, c'est coup, clair. Dan, allez, Skullgrim, dis-nous un peu toi aussi Allez. ton ressenti, ton retour sur ce FWD. Alors, t'as 3 heures? Oui, on a du temps. Non, petit retour sur l'événement. Après, pour l'avoir vécu l'année dernière, surtout en tant que joueur Star Wars Légion. Déjà, c'était cool d'avoir pu voir des anciens potes avec qui on jouait sur Guild Ball, sur War Machine, toutes les teams de Grenoble, de Lyon, etc. Et on était monté à 6, justement avec Vincent, avec Shadow, donc à Aude, et puis donc du coup la team des War Game Master, Adrien et Quentin, je crois que j'en ai oublié, oui, et un ancien de la JSA aussi, pour 40K. Et moi, quand j'ai vu l'event, que j'ai vu tous les potes, j'ai fait, mais putain, mais ça, en fait, il fallait que absolument, absolument, tout le club monte faire cet événement-là, quoi, parce que il y a plein de jeux différents, donc on peut tous se retrouver sur différents jeux. Puis il y a une ambiance vraiment spéciale. L'organisation, encore une fois, pour la bouffe,
Pour les goodies, etc., c'était vraiment super top. Là, c'était encore plus rapide pour pouvoir rentrer parce qu'ils avaient mis sur l'application, ils avaient mis aussi les QR codes. Donc, tu passais ton QR code directement et tu pouvais passer plus rapidement. La seule chose qui était un peu plus longue, c'était pour récupérer les welcome packs, mais ça, c'était bien cadré. Un grand merci encore, si je ne sais pas s'ils nous écoutent, mais à Chev, qui a géré de main de maître toute la team des orgas. Et nous, en tant qu'orga sur les jeux, ben justement, on était comme des princes, quoi, parce que on avait les orgas derrière, enfin tous les bénévoles qui étaient là pour nous, pour nous donner à boire, les cafés, servir tout plein de choses. Donc vraiment, nous côté orga, ça a été une très très belle expérience, très humaine, très chaleureuse, avec les orgas qu'il y avait. Enfin, nous, on est arrivé le vendredi sur les coups de 14h à peu près. À 17h, c'était plié avec les bénévoles et avec les orgas principaux. Où c'était vraiment une famille, quoi. Et chacun n'hésitait pas à donner des coups de main et tout. Donc, c'était vraiment, vraiment bien. Donc, ce ressenti-là, de le faire en joueur, c'est super sympa. Le faire en tant qu'orga, c'est le step qui est vraiment, vraiment au-dessus. Et on a été vraiment enchantés de pouvoir participer à cette expérience. Donc, oui, un très très bon retour. Le tournoi s'est très très bien passé dans l'ensemble. On a pu Asmodée a joué le jeu pour les cadeaux. On a eu plein de cadeaux, nous, à reverser après aux joueurs. Donc on a mis en place des petits défis, etc. C'était vraiment super sympa comme truc. Il nous manque des goodies qu'on doit recevoir aussi après de AMG. Je pense que je ferai une distribution après, dès que Julien m'aura contacté par rapport à ça. Mais sinon très très bien, et puis ben voilà, hein, ta venue sur le en tant que streamer et pour pouvoir proposer des animations, le quiz le samedi soir, c'était vraiment super cool. Il fallait absolument, et tu me l'avais dit, hein, de toute façon, t'avais le souhait, le besoin, l'envie d'être là pour cet événement là. Ben voilà, il fallait absolument que tu sois là, ça nous a permis de faire rayonner tout le monde. Donc bien sûr, de faire rayonner d'abord l'orga principal, et on remercie encore de toute façon Julien, Bastien et Mathieu. Mais après, à côté de ça, nous pour l'association, pour la chaîne des potes avec les Wargame Masters, il fallait absolument. Et puis de pouvoir couvrir aussi MCP. Pour nous, c'était super, hyper important. Moi, ça a toujours été ma volonté de le promouvoir au club. Mais voilà, d'arriver au French World Game Day, ben, on peut se dire aussi qu'on contribue à l'effort commun pour la communauté. C'est ça, c'était vraiment l'idée, ouais, de pouvoir faire vivre ce jeu encore une fois, d'aller plus loin. Dans ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire les streams ou les vidéos, tout ça, mais je voulais vraiment aller plus loin là-dedans et ouais, effectivement, ouais, faire rayonner vraiment le jeu et bordel, c'est un putain de jeu, quoi, merde. Mais on le dit souvent de toute façon, donc d'arriver sur un cadre aussi, aussi gros, enfin de l'afficher au national, on pouvait pas espérer mieux, quoi. Vous pouvez pas espérer mieux. Ben là, ça va être difficile de faire mieux, à moins d'aller au WTC, quoi. Ouais, alors après, derrière, tu vois, c'est justement, hein, pour en avoir parlé un bon petit moment aussi et plusieurs fois, un peu nous au club, mais après, surtout, ben, justement, avec la team WTC, avec Dams, avec Poulet, la Loutre, Prof, etc. Ouais, pour nous, c'est un step up. Tu vois, quand justement Poulet est venu m'en parler, on en a parlé un petit peu nous au club, on l'a vu que bon, ben voilà, pour aller au WTC, c'est quand même un gros ticket, il faut poser quand même un bon 700 balles sur la table, etc. Puis après, il faut quand même venir avec un certain niveau. Alors justement, pour nous, après le French World Game Day et au vu un petit peu du classement, pour nous, on est content pour la GSA, c'est que on a quand même un bon niveau. Après, on a la chance de s'entraîner tous les mardis soirs. On est une quinzaine à jouer tous les mardis soirs facilement. Donc forcément que nous, on a mis en place une méta. Il y a une méta au Bagnaise qui se met en place. Mais au moment où je l'avais proposé, il n'y avait pas réellement de personnes qui sortaient, enfin qui voulaient, enfin, qui se sentaient investies par rapport à ça.
Presque, on s'est retrouvé presque à deux ou trois avec Aljamis et avec Ebus. Et on voulait absolument de monter une équipe aubanaise, quoi, une équipe AGSA. Après ça, c'est dans les petits papiers. On verra, hein, ce qu'on en fera. Moi, je sais que pour moi, cette année, c'est pas possible. Mais l'année prochaine, ce serait mon souhait. Mais vraiment, ce qu'on s'est dit une fois que, enfin, qu'on en avait parlé, c'est que on s'est dit, avant de rayonner sur l'international, on a vraiment envie de nous, à l'association, de se bouger le cul pour se montrer au national et pour avancer vraiment par rapport à ça. Justement, moi, quand j'ai contacté Evie juste avant, on l'avait en tête de monter un tournoi. On a fait un tournoi chez nous en interne. On a testé un 3v3 qui marche très très bien et d'ailleurs qui est demandé. Donc, on voulait s'organiser sur ça jusqu'au moment où, en fait, ben, quand moi j'avais envoyé mon mail en novembre à Julien, et j'ai reçu des nouvelles un mois et demi plus tard. Alors, presque ce laps de temps-là, je me suis dit, bon, ben, je me trouve en plein milieu d'un flow où, forcément, on sait très bien que Julien est hyper booké et il reçoit énormément, énormément de demandes pour le French War Game Day, etc., pour plein de choses. Donc, je me suis dit, bon, je me retrouve un petit peu embrouillé dans la masse. Le mec est parti dans les oubliettes, et puis on n'aura pas de retour, quoi. Mais du coup, agréablement surpris quand Julien m'a appelé et qui nous dit, ben, en fait, ouais, d'abord, ce serait d'abord une expérience, donc de discuter un petit peu, de se rencontrer. Et si le feeling passe bien, ben, pourquoi pas ben, se lancer et voir, enfin, nous, prendre contact avec nous et voir si justement, ben, on tient ce que moi j'ai expliqué sur le mail. J'ai fait quelque chose de bien professionnel en commençant par me présenter, puis après présenter le club et surtout lui dire que, ben, on était quand même assez actif avant Covid sur plusieurs univers, sur plusieurs jeux. Dernièrement, de toute façon, c'était du Guild Ball et du War Machine. Mais bien avant, il y avait des tournois de 40K, même de Battle, qui étaient organisés, hein, par la JSA. Ça, on l'a toujours su faire. Mais voilà, donc du coup, se retrouver bah, dedans et se dire, bon, ben, on y va. Ouais, c'était pour moi, c'est pour la vision que j'ai, moi, sur le jeu, et vraiment de vouloir avoir à cœur de développer l'univers, enfin, développer le jeu au sein des communautés. Ouais, c'est une grosse consécration, quoi. Ouais, bien sûr. On s'attendait pas du tout à ça. Pour moi, j'étais parti sur, bon, ben, on va s'organiser un gros truc. À aucun moment, ben, tu m'aurais dit, Dan, tu organises le French War Game Day pour la troisième édition. Je t'aurais dit, ouais, arrête, j'y crois pas, quoi. J'y crois pas. Mais voilà, on l'a fait et on est content du résultat. Oui, parce que même Jus, enfin même Ivy est super content, super satisfait du Ouais. résultat, Carrément, donc carrément. c'est cool, c'est cool. Puis on a des machines au club aussi derrière, donc Ouais, des gros enfin, jeux. après ça tourne déjà sur les réseaux, sur les vidéos, etc., même sur leur chaîne. Mais voilà, les tables qu'il y a eu, elles sont folles, donc forcément accueillir comme ça. De toute façon, en plus, pour moi c'était un souhait plusieurs fois sur les réunions, justement. Bon, dommage que Nono est pas là parce qu'il peut confirmer aussi derrière. Mais plusieurs fois, Julien nous pose la question en me disant, bon, MCP, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de tapis? Vous avez besoin de décor? Et à chaque fois, j'ai toujours répondu, Jules, on a tout. Ça nous fait plaisir. Justement parce qu'il me disait, on peut récupérer des tapis chez Torek, etc. Même on récupérait du matos en plus. On a eu un backup après. On avait un backup de 8 tables enfin, prêté par Wargame Spirit. Donc, en fait, on était super à l'aise, mais moi, le maître mot à chaque fois, c'était de dire, oui, mais en fait, on a d'autres projets après en tête, on veut rester autonome complètement sur les tables. Ça fait plaisir d'avoir de pouvoir, enfin, savoir qu'on peut compter sur lui, compter sur aussi après derrière, mais être autonome, c'est beaucoup plus important pour nous, quoi. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Mais de toute façon, il l'a bien vu hein, quand il est monté. Oui, carrément, carrément. Il a bien vu que tout était là et que... Non, non, bien sûr. Ok. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter qui pourrait être intéressant à dire? Les moins, tiens, les moins. Je suis curieux. Les moins. Les moins, les moins, les moins, les moins. Qu'est-ce que je pourrais te rajouter sur les moins? Ouais, après, Nono a fait un petit peu une liste des doléances. Donc, justement, en ce moment, je crois qu'il est en train de faire un travail de fond pour récupérer
ce qui a été de moins, mais tu vois, moi, par rapport à l'année dernière, je peux pas te dire, quoi. Je peux pas te dire parce que vraiment, vraiment, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Ouais, peut-être un manque de communication, tu sais, un manque de balisage sur les jeux. On a eu pas mal de monde, pas mal de visiteurs qui sont venus nous dire à chaque fois mais SDA, ça se trouve où, etc. Et les gens, même les gens qui étaient en plein milieu dans toute l'aile, tout l'énorme bowl 40K AOS, justement, les mecs ne savaient pas où se trouvaient les autres tournois pour Star Wars Légion et pour MCP ou même SDA, sauf qu'en fait c'était directement dans les ailes. Bon, après, par contre, moi je peux pas vous le montrer parce que c'était juste le pass staff, mais sur le pass, il y avait le plan. Mais bon, voilà, on a peut-être besoin d'avoir un peu plus de visuel pour la Ouais, moi prochaine je l'ai, le édition. plan. Ouais, tu as le plan, mais combien il y en a qui l'ont ouvert, déplié, regardé, tu vois? Ah, pas Donc, beaucoup. C'était chiant à mettre en voilà. plus. Ouais, oui, mais bon, après, tu te dis tant pis, 2 secondes, je regarde ma feuille, il y a tout qui est expliqué dessus. Ouais, ça marche bien, quoi. Après, il y avait des plans qui étaient affichés aussi, si je dis pas de conneries, un peu Ouais, partout mais tu sais, sur les zones. bêtement, bêtement, pour les escaliers, comme tu avais, donc, tu as les deux ailes qui sont. On avait l'aile qui était nous, MCP Star Wars, qui était à l'entrée. Mais justement, tu avais les escaliers pour accéder au-dessus. Tu n'avais rien, tu n'avais pas de balisage. Tu vois, un balisage MCP, un balisage Ouais. Star Wars Légion, par exemple, ça aurait aidé un petit peu. Et après, d'avoir ça en backup, d'avoir ça en retour aussi. Le truc qui était super intéressant, d'ailleurs, je spoil un petit peu, par exemple, pof. Ça, cette initiative-là de mettre en place les photos via comment s'appelle-t-il une petite borne Ouais, photomaton. un photomaton, c'était vachement bien, mais pareil, encore mal indiqué, les gens n'ont pas trouvé. Moi je l'ai vu hyper tard. Alors, j'ai commencé à faire les photos le dimanche, mais après forcément il y avait plus de papier dimanche. Moi j'ai pas pu finir tout l'album que je voulais faire, même avec les copains quoi de la JSA. Donc ouais, petit moine, pas assez de papier pour les photos, bêtement. C'est dommage. Ouais. Pardon. C'est dommage. Du coup, Ouais. Shadow. Ouais. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, hein, c'est lui qui s'occupe de la communication. D'accord, donc tu parles pas, ok. Zek? Voilà. Alors, moi, ce serait surtout pour la nourriture. Tu sais que je suis quelqu'un qui mange énormément. J'ai eu du mal à me rassasier avec les quantités. Ouais, je te rassure, pareil. C'est vrai que on a mangé. Alors c'était bon. Je dis pas le contraire, que c'était pas. Moi j'adore le fromage, donc c'était très bon. Mais niveau quantité, il y avait pour moi il n'y avait pas assez. J'avais encore faim en sortant. Moi, après, c'est sûr que nourrir 1500 personnes, tu peux pas Ouais, non c'est hyper plus. compliqué. C'est compliqué, tu vois. Tu peux pas savoir combien de quantités chaque personne est différente, mange pas C'est pareil. sûr. Donc tu peux pas vraiment savoir quelle quantité il faut vraiment. Salut la wag. Mais à part ça, très franchement, le repas vraiment nickel, très bon, je me suis régalé. À part la quantité qui était un peu juste, mais à part ça, très bien. Et bah, après, au moins, rien de. Il y a pour moi la place, la salle qu'on avait, très bien. Et pour moi, la place a été nickel. Nous, pour le stream et tout, on a été situé de moment dans un endroit, rien à dire. On était tranquille, on avait la place, on pouvait bouger. Sur ça, on était Salut vraiment nickel. Max, exactement Donc, la wag. Débrief de non, l'event. juste moi, c'était juste la nourriture après pour le reste. Ouais, c'est vrai que la nourriture, bah, d'où l'expression, hein, je suis un peu resté sur ma faim à ce niveau-là. Je m'attendais vraiment à des plus important et plus variés. Il y avait ravioli, il y avait l'espèce de pain là, de galette avec du fromage dedans, de la salade et tout. Ça, c'était super bon. Mais après voilà, l'assiette de fromage et des sandwichs quoi, c'est tout, je pense. Je pense que ça aurait été sympa un petit food truck. Un petit Il y avait food un petit truck, truc, mais ouais. c'était que du frais. Moi c'est ça, oui, ouais, on peut vraiment dire que la bouffe, c'était le côté négatif. En plus, moi, le samedi soir, je sais plus pourquoi, je me retrouve à bouffer hyper tard. Et je voulais absolument sauter sur les raviolis. Il n'y avait plus de raviolis. Le dimanche midi, j'ai pas pu en prendre parce qu'il fallait d'abord servir
les joueurs, donc je suis passé à côté de mes raviolis, j'étais un petit peu dégoûté. En plus, bien malade, je voulais absolument bouffer chaud et voilà, j'ai pas pu. L'assiette, oui, de l'assiette de fromage était très très bonne parce que, enfin, je crois un des meilleurs artisans de France qui l'a fait. Ouais, c'était très bon, mais ouais, c'est vrai que l'année d'avant, tu vois, il y avait le duo, il y avait la tartiflette. Enfin, bref, ouais, on parle pour la bouffe, c'est toujours compliqué. Mais c'est pas évident après à calibrer derrière sur tes quantités, etc. Donc bon, c'était pas le boboon, au moins on n'est pas tous repartis avec une intoxication alimentaire. C'est ça. mais bon, ouais, après ça c'est compliqué. C'est compliqué après derrière comme truc. Ouais, c'est vrai. Moi ce que j'ai aimé, franchement, clairement, parce que du coup, je suis arrivé là-bas et j'ai eu cette sensation de d'avoir gravi une grosse marche. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis arrivé là-bas, tout était vide, il n'y avait plus personne. Vraiment, il n'y avait plus personne. Enfin, il n'y avait personne quand encore. Les tables étaient installées, il y avait quelques décors et tout. Et je suis arrivé là-bas, je me dis putain, avec Zekios, on était là, putain, on y est quoi. On y est, voilà, c'est notre moment à nous, voilà, et c'était cool, les orgas ont été adorables, vraiment, gros big up aux bénévoles, qu'ils ont assuré le service, que ça soit les cafés, les ramassages de gobelets, les poubelles, tout ça, on s'est jamais retrouvé avec des poubelles qui débordaient. Nous, de notre côté, ça allait parce qu'on ramassait tout, on mettait tout dans les poubelles, mais je sais que côté Warhammer, 40 000, du moins dans la fosse, les gens n'allaient pas forcément jeter dans les poubelles les trucs, du coup, ça s'entassait sur les tables. Donc ouais, clairement, chez nous, on a été plutôt propre. Et le fait d'avoir des toilettes aussi à nous, entre guillemets, ça a été un plus. Bon, comme il dit Turbaran, les portes montaient à l'envers, malheureusement, c'était un peu dur. Il fallait rentrer en mode égyptien à 2D pour pouvoir refermer la porte tranquille. Mais si, dans l'ensemble, j'ai pas. Bah, on est une grosse communauté de. Le hobby, c'est une grosse communauté de nounours quand même. Donc, on paraît tous énormes et secs, mais en fait, on est des gros nounours et ça s'est super bien passé, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après, à côté, tu vois, on avait, tout le monde est venu nous le dire aussi, beaucoup de visiteurs qui sont passés par là. On avait l'aile avec Star Wars Legion et avec donc Nico, Let's Child s'il passe. On se revoit, putain, big up à toi, des gros bisous encore. Ouais, c'est clair. Nico, franchement, on s'est régalé avec Nico, quoi. Et puis, bah, nous, toute la team, hein, la team de Lyon, hein, avec Keke, avec Echian, avec Erwan. C'était vraiment cool, mais voilà, on avait la chance d'être sur la plus belle aile. Alors, les ailes sont vraiment cool parce que t'es pas trop trop non plus. Et on avait toutes les tables sur Star Wars et sur MCP qui étaient vraiment magnifiques. Les tables sur SDA n'étaient pas en reste non plus. Mais après, quand tu descends, que tu arrives dans le bowl et que tu vois toutes les tables pour 40K et pour AOS, tu fais... Ouais, ça pique un peu. Donc nous, on était contents, on a fait les photos. On a fait un petit peu des photos tous les trois, là. Et ouais, t'arrives chez nous, tu te dis, ouais, on est vraiment bien. Donc je sais que si demain, l'expérience est répétée après, déjà pour MCP, et qu'on retourne encore à Grenoble... On sait très bien qu'on aura exactement la même aile, alors que par contre, du coup, on pourra accueillir plus de monde pour MCP. Parce que... Enfin, voilà, ça fait peut-être un peu partie de mes points négatifs, mais sur l'orga principal, sur la haute instance, ouais, il y a eu un petit peu des couacs. Nous, on était vraiment contents avec Nono d'avoir booké très, très rapidement... tous les points qu'on avait à exploiter, à poser, etc. Quand on a vu les copains après pour 40K, ouf, putain, entre Babel, Immortus, etc., les mecs, vous avez vraiment géré, mais vous avez vraiment géré à la dernière minute, quoi. Moi, j'étais bien content qu'on reçoive les listes de 15 jours avant dans ces eaux-là pour faire les relectures. Et encore, on a eu des couacs sur les relectures. Donc non, franchement, pour nous, pour MCP, ça s'est vraiment super bien passé et on a eu vraiment
un coin du palais des sports qui était vraiment au top pour nous, quoi. Mais clairement, j'irais même la meilleure place parce que, Ouais. Du point de vue des joueurs, déjà il y avait de la place, c'était cool, on se marchait pas dessus. Non, ouais. On se marchait pas dessus, donc c'était vraiment top. Et moi, de mon côté streamer, là où j'étais, c'était trop bien. J'avais Ah, tu ni avais la chaud, place, hein? j'avais ni froid. Ouais. Le fond, j'avais l'impression d'être dans un bunker de méchants. C'était trop bien, vraiment en mode super vilain, quoi. Et non, j'ai adoré l'espace, la zone, quoi. C'était vraiment trop cool. Et surtout Palme d'Or pour le plus beau décor pour MCP sans contestation. Non, mais c'est en fait, non, c'est ça, c'est ce qu'il disait Dan, c'est que sur les ailes, que ça soit MCP, Star Wars et de l'autre côté, donc 9e âge et SDA, SDA, ouais. on avait vraiment les plus belles tables en fait de l'event quoi. Après, comme il m'expliquait, j'en ai parlé vite fait avec Evie avant de partir. Il m'expliquait. Il me disait non mais clairement de toute façon oui clairement vous aviez à l'étage vous aviez les plus belles tables mais va faire 150 tables en décor en dur comme ça. Du coup c'était plus rapide pour eux de faire des décors WTC que des décors comme nous quoi. Donc clairement ça se comprend. Mais effectivement. Le vendredi soir, ils étaient encore en train de monter les décors, hein, Bah oui, ils avaient pour pas encore 44. reçu les palettes, il leur manquait des palettes. Donc effectivement, quand tu arrives là-bas. Tu regardes les tables avec tous les joueurs, ben, tu sentais que ça manquait de vie. Enfin, même si les peintures étaient super belles, ben, ça manquait de vie. Et les décors ont fait que c'était plat, entre guillemets. Ouais, Côté c'est ce qu'il dit, 43, c'est ce qu'il 1v1, dit. c'était bien niveau place. Après, dans la Ouais, fosse. voilà. La fosse, c'est. Voilà, c'est être. Mais Puis ça même sent bon là. la transpi aussi dans la fosse, hein. Eh ben, pas tant que ça. Alors, ça aussi, ça a été une chance qu'on a. C'est qu'on ait vraiment une salle vraiment adéquate juste pour un univers, tu vois. Ouais. Et on a eu vraiment une salle consacrée qu'à ça. Et je trouve ça vraiment formidable qu'on ait eu vraiment une salle à nous tout seul, quoi. Pour un univers, pour ça, c'est ouf. Donc vraiment, on a pu vraiment. En plus, on n'était pas vraiment surbooké. On avait la place pour bouger, on avait la place pour circuler. Donc ça, c'était bien. Et comme dit Val, avoir des toilettes rien que pour nous, ça, c'est bien. Ça t'évite de faire les allers-retours, de descendre, remonter, t'allais juste à te retourner, aller au fond de la pièce, voilà, tu allais aux toilettes, tu ressortais, c'est rapide, Ça. quoi. Donc Par contre, les toilettes, on les a bichonnées, enfin, on les a cachées aussi derrière, parce Ah que bah oui. Hein. les visiteurs qui montaient, les toilettes sont. Non, non, c'est en bas, c'est en bas. Ouais. Et c'est pour ça que moi, Val, je comprenais pas pourquoi il disait en bas, je lui ai mis en là, il me disait non, non, c'est pas pour les visiteurs, c'est pour nous, ça. Ah, d'accord. Mais après, tu Les remarques. connards, tu sais. Pour avoir été dans la fosse, justement, on en parlait encore une fois, tu vois, on en parlait avec Evie quand il est venu faire l'interview. On en parlait, je lui dis, mais franchement, c'est. T'arrives dans la fosse, tu t'attends à ce que ça hurle, à ce que machin, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Les mecs, ils parlaient calmement, t'avais pas un mot pourri que Oui. l'autre. C'était vraiment clean, quoi. Et ça, j'ai vraiment adoré, quoi. J'ai vraiment tout adoré. Effectivement, la wag l'event était cool, quoi. Je retiens MDR, je viendrai ce côté toilette. Non, non, dodo. Pédale. Même la fosse. Sauf si tu joues à Marvel. Si tu joues à Marvel, il n'y a pas de souci. Sinon, non. Donc. Non, même la fosse, tu pouvais circuler, t'avais de la place, hein, il y avait une fosse, Ouais. hein, donc tu pouvais circuler, tu pouvais bouger, Voilà, Malgré ça le c'était monde, bien. putain, il y avait un Malgré le peuple. monde, voilà. Si je puis me permettre, je crois qu'il y a une streameuse qui est venue vous voir, War Adventure, là. Donc, pour Oui, aventure, ouais. Alors, elle est un peu filmée. Si y a les gens qui nous écoutent ne savent pas trop de quoi on parle, je vous conseille de jeter un petit coup d'œil à cette vidéo. Ça vous donnera un peu l'idée de ce qu'on parle. En fait. Elle a bien, bien filmé pour ça. Ah oui. Vous avez les tables d'AOS et les 44 qui sont à perte de vue. Et vous verrez que nous, L'autre con, on là, était avec ses vraiment pinceaux. Salut, meuf. sur le fond. Et du coup, Eh les vite meufs! fait, avant qu'on reprenne, merci infiniment, Gabio, pour ton follow. N'hésite pas à prendre un thé, un café, un chocolat chaud et venir t'installer tout près de nous, genre carrément les croissants et les chocolatines. Du coup, ouais, effectivement, c'était vraiment incroyable. Il y avait des tables partout. Ça parlait calmement. On a pu voir de sacrées bonnes personnes également. Ben oui, Sont venus nous rendre visite. c'est ça. Et c'était vraiment trop cool. C'était vraiment Moi, trop cool. je voulais revenir là-dessus d'ailleurs, en parlant des personnes qui sont venues nous voir. On n'a pas été chercher les personnes pour qu'ils viennent nous voir, c'est eux qui sont venus de eux-mêmes. Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment mais dingue. Merci Vraiment. C'est Max. ça.
Bah surtout C'est Miguel, déjà fait. C'est ça? Iggy TV qui est venu nous voir, d'abord te voir en premier et après moi derrière, il est venu me faire une petite interview. C'était vraiment cool de la part de Michael. D'ailleurs, moi, enfin, il m'a dit à l'occasion, on s'envoie des messages et après, il y a des chansons un petit peu qui se mettent aussi, peut-être. Enfin, qui au moins viennent apporter un petit peu de curiosité sur MCP aussi. D'avoir Iggy en plus, ça serait vraiment cool. Comme je disais, moi aussi, j'en ai parlé, je pense que tu le rajouteras. Je sais que tu as une vidéo qui est prévue sur ça. Ouais, mais sort comme demain je soir. disais. Parfait. Mais comme je disais aussi sur la troisième ronde, où je prends un petit peu la parole au début sur pas mal de choses. On voulait commenter la partie où on n'a pas réussi parce qu'on voyait pas, on voyait pas assez, etc. Et justement, je reviens un petit peu sur tous les acteurs pour moi qui ont été importants, enfin les influenceurs, ceux qui ont fait qui ont créé du contenu sur MCP. Et moi le premier hein, qui m'ont aidé ouais, à me lancer sur MCP. Justement. C'était bien de voilà d'en voir de plus en plus et de voir que de plus en plus de chaînes se créent ben, enfin pour nous hein, chez au club donc pour les Wargame Master par exemple mais au plus on va avoir des créateurs de contenu qui vont fleurir sur MCP au plus on pourra faire grossir la communauté et j'en profite hein, Tristan je passe un message je pense assez important. En étant forcément ben, dans l'organisation principale et en contact avec Julien justement. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont un peu constaté, on en a parlé tous les trois avec Mickaël, que voilà pour Julien, enfin pour Evie, ils ont un petit peu peur de MCP dans le sens où bon, ils connaissent pas le jeu, mais ils connaissent l'éditeur et ils connaissent le distributeur. Et on sait très bien que malheureusement, Asmodée, par rapport à ça, ça a toujours été moyen. Les gens, à tort, moi je vois dans certaines communautés, les gens comparent MCP à Shatterpoint. Il faut surtout pas faire le comparatif. Julien, enfin c'est ce qu'il pense aussi lui. Il pense que ouais, ben, comme Shatterpoint n'a pas c'est pas bien développé, c'est pas bien lancé. Enfin, le jeu est pas. Je vais pas dire que le jeu est mauvais, mais enfin, moi, j'ai toujours été entre deux sur Shatterpoint. J'arrive jamais à me positionner sur ce jeu pour savoir si c'est vraiment un bon jeu ou pas. C'est la première fois que moi, ça me fait sur des jeux, alors qu'en général, c'est oui ou non. Ouais. Mais justement, voilà, il y a un peu le fantôme, il y a un peu le spectre de Shatterpoint et aussi. La distribution de Simone sur Asoyaf. Donc vraiment, en fait, s'il y a une crainte, enfin, Julien a une crainte, à cette crainte-là, justement, que ça ne soit pas suivi là-bas. Par Asoyaf, que la distribution soit pas bonne, parce que ben, la plupart du temps, lui, quand il développe d'autres jeux, ben, les joueurs, bêtement, vont le voir en disant ouais, mais tu me dis d'investir sur ce jeu parce que tu le vends sur tes vidéos et après au final, j'arrive pas à le trouver en boutique, etc. Donc c'est un peu le souci que on peut rencontrer justement pour une prochaine édition pour MCP. C'est pour ça que je pense qu'il va falloir, que toutes les communautés, toutes les associations jouent un petit peu le jeu. Il va falloir vraiment qu'on développe tout ça. Et moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment en cœur. J'ai pas envie de vous dire que j'ai plus rien à faire moi à la JSA, mais pour moi, j'ai rempli mon contrat à la sauce où il y a énormément de joueurs qui jouent. Mais justement, sur Sud-Est, il y a encore des communautés qui ne sont pas encore actives. Moi, je pense à la communauté des BDR sur Vitrol. S'il y a des copains de Vitrol, des gros bisous. Mais je pense que en parler avec Poulet, avec Dams. Même Bastien, enfin, j'allais parler à plein de monde. De toute façon, ce week-end, moi, j'ai fait vraiment le représentant. J'ai joué la carte de la com à fond sur l'organisation. C'est ça, c'est d'essayer d'inciter toutes les communautés justement à essayer de faire vivre le jeu, à les faire développer dans les clubs. Justement, un grand merci à Apollo, donc à Keshian, parce que ben, il attaque aussi MCP et on sait qu'il a une association sur Lyon. Donc justement, ben, s'il y a des Lyonnais qui entendent. Je vous encourage à aller lui parler en privé et puis à partir à son club.
Mais voilà, vraiment, il faudrait vraiment que cette année soit vraiment propice en termes de distribution. Donc, on espère que Asmodée vont se bouger le cul. Alors, après, oui, il y a plein de nouvelles sorties qui arrivent, les sorties des boîtes d'affiliation. Donc, ça va faire le plus grand bien aussi pour MCP. Mais Ouais, je veux bien, ouais. je pense que c'est, il faut qu'il y ait un élan commun pour que derrière, MCP soit encore plus représenté au niveau de jeu. Et après, voilà, j'en appelle un petit peu tous les influenceurs, comme j'ai appelé ben, justement Marco, Nico Prime, Jim Jim. Y a du monde aussi sur la communauté, donc il faut vraiment que ça bouge pour qu'on puisse être, nous déjà, être sûr que l'année prochaine, Julien vient nous toquer à la porte pour dire, bon, ben, la première édition pour MCP, c'est bien, c'est très très bien comporté, ça s'est très bien passé. Ouais, on recommence quoi. Donc, au-delà de l'aspect communautaire enfin, vraiment, à parler du jeu en lui-même, il y a un aspect aussi économique et distribution qui n'est pas à négliger, mais qui peut être aussi un frein pour que l'année prochaine, ce soit fait ou pas. Voilà. Ouais. Donc, c'était un petit peu voilà, le petit message moi, à passer. Je préfère en parler un petit peu maintenant. On a le temps, on a encore un an. Après, bon, Julien n'est toujours pas revenu après vers moi. Je pense qu'il reviendra vers moi dès qu'ils en sauront plus. Après, je lance un truc, mais est-ce que Grenoble ou ailleurs pour le prochain French War Game Day? Donc ça, ben, on verra Sûrement. avec le temps comment ça va se passer. Mais voilà, il faut que clairement on puisse montrer que MCP a l'air insolide au niveau même distribution. Donc il faut que aussi les boutiques jouent le jeu, En vraiment, vrai, pour qu'on puisse pour que ça se développe. Voilà. plus sérieusement, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Regarde Il n'y a comment pas ça de se raison, je passe suis d'accord avec toi, en Tristan. dehors de l'Hexagone. Ouais. En Angleterre, il y a un gros pool de joueurs en Angleterre. Il y a un gros pool de joueurs aux États-Unis, mais vraiment un gros, gros pool. Donc. T'as un pool. Non, mais ça, c'est ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais tu vois, c'est comme quand tout à l'heure je te parle du point, quand on parle pour les French War Game Day, alors qu'on se dit, nous au club, non, il faut quand même qu'on mette en place des tournois, qu'on fasse bouger les gens pour que derrière montrer qu'il y a de la communauté déjà sur MCP. Sur l'européen, je suis d'accord avec toi. On sait très déjà qu'il y a les Anglais, qu'on peut avoir les Canadiens. Il y a du monde qui joue aussi en Allemagne, en Pologne, en Espagne, en Italie. En Belgique, il y a Ouais, quelques joueurs ça c'est aussi, sûr. enfin c'est. Belgique, hein, Belgique, bon, ça c'est clair, hein, Belgique et Suisse. Mais il faut que d'abord au niveau FR, ça bouge. Mais à nous justement, à nous, ben comme tu dis, voilà, à nous, influenceurs et membres, comment je pourrais dire ça? Oui. Ben, les assos, hein, Ouais, voilà, c'est ça, les les acteurs, les assos. principaux acteurs, c'est Voilà, c'est ça, les membres assos. Et acteurs. voilà. Et après aussi, de favoriser aussi certaines communes, justement, se développer, à se monter en tant qu'assos aussi. Ça marche plutôt bien. Et même après de bouger, je sais que pour nous, tu vois, pour nous, organiser les tournois, c'est facile. On l'a vu, on en a fait quelques-uns. Même pour nous, bêtement, égoïstement, entre membres de la JSA, on se fait des petits tournois, ça, il n'y a pas de souci. Le dernier, on s'est fait un petit 3v3 sur un dimanche, ça a très très bien marché. Et ça nous a permis aussi de voir le niveau du club. Hein. Ouais. Et ça, c'est important, mais maintenant qu'on a un petit peu montré ce qu'on pouvait faire, on va rendre l'appareil après sur d'autres trucs. Maintenant, nous aussi, il faut qu'on se déplace sur les tournois. Tu vois, par exemple, je prends le tournoi qu'organise Dimitri pour la Comic-Con. Ouais, ben on aurait voulu répondre, mais c'est compliqué pour nous, etc. Mais Juste il y a après dire c'est WD, c'est compliqué, mais il faut le difficile. faire aussi. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc c'est pareil. Nous, on a montré qu'on était une grosse assoce et qu'on pouvait proposer les tournois. À nous maintenant aussi de bouger. Bien On sûr. est attendu, tu le sais, on est attendu à Angoulême, à Bordeaux, à Pau, sur Paris. Ben, je sais qu'il y a aussi la commu de Metal Beer. Metal Beer Ouais. Solid, s'il est là, ben, des petits coucous. De toute façon, je salue toutes les personnes qui étaient présentes lors du French War Game Day. Gamora, Willow et compagnie, Voilà, mais Max voilà, le donc, mais Barbare. cette commu-là aussi, derrière, il faut que ça bouge. Après, pour Paris, et c'est la chose qui peut être vraiment intéressante, justement, ben forcément Julien
Julien et Mathieu sont venus nous voir le vendredi, une fois qu'on avait posé le setup. Et quand ils ont vu les tables, forcément, des French Cookie Masters, ben voilà, hein, les tables, elles sont complètement folles. Enfin, ils nous sortent des trucs de fou entre Adrien et Quentin. C'est assez hallucinant. La table du Bifrost, même si on peut pinailler parce qu'on dit, ouais, Fall, jouer avec le pont, c'est peut-être un peu chiant aussi pour placer les figurines, etc. Presque aux F, quoi. Les tables sont folles quand tu vois le pont arc-en-ciel. Enfin, c'est un régal. Le fight entre Fenrir et Hulk dans la flotte, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, ça a plu. Et justement, j'en viens au point où, quand Manoué a vu les tables, la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, mais vous vendez les tables après? J'ai dit, je pense pas, c'est faux avec les deux responsables. Et après, il me dit, mais ok, bon, ben, d'accord, on ne peut pas les acheter, c'est pas grave. Mais il y a moyen d'en commander, il y a moyen d'en faire, parce que justement, Mathieu veut des tables pour le French War Game Café. Et il me l'a dit, il me l'a parlé plusieurs fois, justement, où il veut développer aussi MCP au café. Donc, s'il peut se récupérer quelques tables pour lui, ça peut être vachement bien, parce qu'il commence à avoir de plus en plus du monde au café qui veut jouer. On a eu. Moi, 3 jours avant, je vois Pop, un joueur en plus, Gianni, qui était un mec super cool, qui venait du café et qui a dit, ben, tu prends contact avec, enfin, pardon, Julien, on parle avec Julien, Julien dit, ben, prends contact avec Dan et tu montes, il n'y a pas de problème, on entend qu'ils sont le tournoi, donc voilà. Donc, il y a de la communauté qui bouge aussi derrière. Donc, si ça bouge après sur Paris avec le café, mais putain, on a tout gagné, quoi. On a vraiment tout gagné. Oui, non, c'est clair. Mais effectivement, comme tu dis, je pense qu'il y a moyen de développer le truc. Et puis forcément, si ça se développe correctement, Asmodée va nous suivre, il n'y a pas de raison. Ah oui, ben ouais. Quand on voit ce qui s'est passé sur la fin où ça s'est joué en quelques jours et que Asmodée a envoyé 2,5 palettes de l'eau pour le tournoi, on était super contents. Quand il est venu me dire, bon, Dan, t'as 25 lots, tu t'organises comme tu veux. Donc nous, on a mis en place des petits défis. J'en ai même On pas a. eu. Ah, ah, c'était que pour les joueurs, c'était que pour les bons, c'était pas pour les streamers. Ah, boule. T'inquiète. Mais du Quelle coup, non, indignité. c'était. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est honteux. Non, c'était vraiment cool, super sympa de sa part. Puis après, on attendait des cadeaux qu'on devait recevoir aussi. On devait recevoir les kits retail. Le samedi soir, Julien, à 23h58, m'envoie un message en me disant, putain, c'est bon, à ce moment-là, il m'a envoyé les kits retail, t'as tout dimanche matin. J'étais super content. Je le vois débarquer avec un carton rempli de tapis de Star Wars Unlimited, quoi. Merci, Donc, Mef. fail. Voilà. Il a raison. Mais J'étais inscrit comme ouais, c'est joueur. ça. Mais il a eu son petit pack, hein. T'as eu ton welcome pack avec ton t-shirt, Ma ton, capote. euh, ton, ta, ton, voilà, ta capote, ton mug, donc tout va bien, quoi. T'as eu des trucs. Donc non, ouais, j'espère recevoir les kits et dès qu'on les a, on va les distribuer pour tout le monde, même les Mousse. streamers. Ouais. Voilà. Je me suis posé une question. Est-ce que si par exemple, pour le prochain événement comme on a eu là, on a envoyé des photos ou des vidéos à Asmodee directement, par exemple des tables de jeu, du monde qu'il y avait, des joueurs et tout ça, est-ce que ça peut peut-être changer quelque chose au vu Parle plus fort, Zach. de eux envers la communauté? Des photos, hein. Si jamais c'est quelqu'un qui ça va toucher, ça va bouger. Par contre, si c'est quelqu'un qui s'en fiche un peu. Oui. Déjà, il y a une chose qui a été à noter. Je veux revenir sur la fameuse pyramide de jeu qu'on avait en plein milieu de la fosse. Donc, c'était le grand mot, disons que le grand Salut, moment. Sip. Donc, dans la pile, il y avait quand même beaucoup de Marvel, mine de rien. Ouais. Donc, Marvel Crisis Protocol, Marvel. Donc, déjà, ça a l'attention d'Asmodée. Arrête, il y avait du Marvel Zombie, il y avait MCP, il y avait Il y que avait du dalle. Donc, United, il y avait plein de oui. trucs. Oui, mais c'était Marvel. Et pour Oh, revenir un j'aurais peu. espéré, tu vois, les sorties X-Men, par exemple. Là, j'aurais été Ah, vraiment refait, et quoi. on a eu le droit des décors Wakanda, c'est pas mal. Mais oui, bon, il y a eu. Les corsets sont partis très très vite. En fait, j'en ai Oui. ninja un, moi, pour le podium, le samedi matin. Et après, il y a eu. Ben, tiens, je ne citerai pas le nom. Un joueur de Star Wars Légion qui officie sur Vitrolles et qui a une magnifique table
Star Wars Legion, je sais pas dit non, qui a Ninja en corset dès qu'il a, Ah, mais c'est il a Keshen! pu avoir en le. Non, c'est pas question, non, sinon je vous l'ai dit. Ninja! C'est mon Legouchka. C'est Ivan. Et non, ça a été vite, vite parti, mais après, y avait plein de trucs, quoi. C'était blindé. J'ai vu quelques personnes qui sont reparties avec le corset. J'ai eu 3-4 Ouais. A priori, ça a été les premiers sélectionnés. C'est ça, c'est ça. Ouais, ils ont. Ouais. En même temps, il est extrêmement rentable ce corset, on va pas se Mais mentir. carrément. Il est fou ce corset, de toute Carrément. façon. T'as ton ticket d'entrée à 150 euros pour jouer à MCP C'est avec, ça. avec en plus derrière 5 leaders donc, et tout ce qu'il faut en décor. T'entends, Kesh? De très belles figurines. T'as ce qu'il faut pour jouer. Allez, go! Non, mais question, il a déjà what milliard de choses. Il a déjà tous les Web Warriors. Il est en Ah. train de. Ouais, ça grossit très très vite. Je vais te dire une anecdote, tu vas rigoler d'ailleurs. Alors, je vais au magasin de Vapote pour moi. Le magasin est rempli de Marvel, que ce soit du poster, des goodies au mur et tout ça. Et je viens parler de Marvel avec lui, et je lui montre les figurines Marvel Crisis Protocol. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est? Je lui dis, ben, c'est Marvel Crisis Protocol, un jeu de plateau qui est en train vraiment de s'éparpiller de partout. En français, tout ça. Il me fait, bah, demande le site. Du coup, j'ai donné le site de Belleforge, du coup. Il a dit, mais c'est ouf, c'est complètement ouf. Donc j'ai donné les réseaux sociaux de Val, au cas où, si j'ai dit, si t'as besoin de peindre, sympa, j'ai dit, tu peux contacter cette personne-là. Il sera ravi de peindre tes figurines tu verras, le niveau est juste de dingue, quoi. Il était hypé et je crois qu'il a même commandé ce soir. Ça m'a fait grave plaisir et j'étais super content de moi parce que je me suis dit, mec, voilà, une personne de plus peut-être dans la communauté de MCP, quoi. C'est cool. Bah, Vincent, tu sais, c'était ça quand je suis monté chez Julien pour faire la vidéo. C'était assez marrant parce qu'il y avait donc ces deux cadreurs, Adrien Elthion. Et je fais une première explication. On fait une première partie, une partie d'initiation avec Julien. On joue trois figurines. Et là, on fait deux tours. Et là, je vois Julien sur son téléphone, part directement sur Spirit. Wargame Spirit. Et allez, c'est parti, corset, pack de cartes, des dés. Il me dit les dés, il en faut un peu plus. Ouais, vas-y, vas-y, prends les dés. Et voilà, et il est reparti directement avec ça. C'était déjà en cours. Et ben d'ailleurs, hein, t'as fait un super cadeau à Julien, quoi. Il était super content pour le Star-Lord. Et bêtement, j'y glisse et j'ai dit, écoute, prochaine partie, prochaine vidéo, tu as juste à récupérer Groot Rocket, tu prends le Thanos, et puis c'est parti, on s'en va avec ça, quoi. C'est ça, moi je dois lui affronter, je dois lui foutre sur la gueule avec ses Avengers. Mais non, non, ouais, c'est franchement c'est cool. C'est cool. Après, c'est Et à tu nous vois, maintenant. vas-y, vas-y. Maintenant que l'event est passé et c'est plutôt bien passé, maintenant c'est à nous. Voilà, on a toutes les cartes en main pour faire en sorte que ça se développe encore plus. Que ça se développe encore plus, quoi. J'ai une question sur les préconçus qu'il y a au niveau du jeu. Il faut savoir qu'on a beaucoup de joueurs qui ne sont pas attirés par Marvel. Ils ont été conquis par le système de jeu. Oui, voilà, bien sûr. Vous conseillez quoi pour débuter à MCP? Le corset. Encore 7, Le encore 7 corset corset, V2 est très vraiment. bien pour commencer. Pour Après, ouais, le corset V2. Après, moi, je fais aussi ce que j'aime beaucoup quand j'en parle, et j'en ai parlé beaucoup, hein, pour approcher plusieurs communautés. C'est ce que je disais aussi sur la vidéo, c'est que MCP, vraiment, si tu aimes l'univers, si tu fais partie un petit peu du fan service, c'est que c'est le jeu qui te permet de jouer vraiment ce que tu as envie. Toutes les affiliations que tu vois, Attends franchement. deux secondes, je te coupe. On a un Vas-y. raid. Et merci Ursule pour le raid! J'espère que ton live s'est bien passé! Et des bisous, d'accord, bah des bisous. Je compte également, enfin je tiens également à remercier les derniers followers, merci infiniment. N'hésitez pas à prendre un café, un chocolat chaud et à venir t'installer tout près de nous. Merci beaucoup, des bisous! Salut Lorraine. Ah. Du coup Ursule, quand est-ce que tu nous rejoins à MCP? Avant c'était, hé, hey, tu connais Games Workshop? Maintenant ça va dire, hé, hey, tu connais Marvel Crisis Protocol? Ouais, comme je disais, vraiment le jeu te permet de jouer tous les univers, toutes les affiliations. Tu peux vraiment t'amuser à aller chercher le truc qui te plaît visuellement ou qui te fait triper dans l'univers.
et après développer et performer avec. Hein. Ce jeu-là, t'as un petit peu la même profondeur que tu avais sur War Machine, où avec le caster te permettait te donner une identité, une identité à ton armée de façon de jouer. Là, c'est exactement pareil avec les leaders, donc tu peux vraiment les piocher ce que tu veux. Ouais. Après, bien sûr que j'ai eu le cas aussi au club, et justement, Ebus, pour ne citer que lui, Romain qui avait beaucoup de mal au début parce qu'il me disait, ouais, c'est du fan service, ça fait chier de jouer du Marvel, on voit du Marvel de partout à la télé, les séries, les films, etc. et tout. Et quand vraiment, après, il s'est vraiment investi dedans en lui disant, ouais, mais d'accord, ok, je veux bien, j'entends que derrière, on aime l'univers. Mais le système de jeu, bordel, on est sur un putain de jeu où là, entre la dernière mise à jour qu'il y a et le core set, la seule chose qui a changé, c'est la langue. Oui, c'est ça, on est vraiment sur des règles vraiment très simples. Et puis, c'est ça. Comparer ce qui est comparable, mais comparer à Warhammer 40 000 où ils te sortent des datasheets une semaine avant la sortie des codex, par exemple, je trouve ça un peu abusé. Tandis que là, Marvel Crisis Protocol, le jeu existe depuis 2019, les règles n'ont quasiment pas changé depuis. La seule chose qui a changé, c'est à la limite quelques profils de héros et de super vilains. Il y a des mises à jour, heureusement, parce qu'il faut des mises à jour aussi. Et des cartes, quoi. Et effectivement, les cartes tactiques qui ont été traduites, qui ont été remaniées, etc. etc. Donc, en soi, le système de jeu est correct, est stable, est plutôt costaud. Le côté action-réaction, vraiment, moi, c'est ça qui m'a attiré là-dedans. Hein. L'activation alternée, Tristan, de toute façon, c'est la vie pour tous les derniers jeux. C'est mais bien sûr. Ce qui marche le mieux, quoi. Et le jour où Warhammer 40 000 feront ça, mais ils vont tuer le game. C'est déjà fait, j'ai envie de te dire. Hein, tu prends le système One Page Rule, c'est ce qu'ils font avec. Tu peux adapter tous tes profils, prendre tous tes profils que tu as sur 40K. Et ça marche. Ou même, regarde, il y a eu. Des fans de Star Wars Légion qui ont adapté plein de profils de 40K. Je sais plus ce qu'il y a comme. Enfin, moi, j'ai vu passer des SM, des Primaris et des Tyrannides. Bah, tu pouvais jouer avec ces figurines-là sur le système de Star Wars Légion, quoi. Toujours Salut pareil, Astaro. l'activation internet, quoi. Et merci pour ton follow. En plus, Astaro, étant au FWD pour le tournoi AOS 1v1, on est passé voir MCP avec Madame et on est tombé amoureux des décors et du jeu. Ouais, franchement, c'est vraiment très agréable. Et vous êtes même pas venu me voir. Non, on se connaissait pas encore. Mais non, non, ouais, franchement, c'est un jeu top. Ouais, pour moi, enfin, voilà, moi je suis peintre à la base et c'est le seul jeu auquel je joue, donc. Au niveau du MCU, c'était fan de l'univers Marvel au niveau de l'MCU. T'as une histoire, c'est vaste quoi, t'as le choix. C'est hyper vaste, ouais. T'as énormément d'histoires à savoir pour chaque personnage par rapport à l'univers. C'est immense quoi. Et s'ils font toutes les figurines qu'il y a dans l'histoire de Marvel, tous les super-héros, et franchement, il y a un choix immense. Ouais. Bah, l'avantage qu'ils sont déjà en train de faire, alors après, il y a des trucs qui sont super attendus, hein, comme. Les 4 Fantastiques, Fatalis, le Silver Surfer, etc. Mais là, ils ont quand même commencé à développer pas mal de profils, enfin des redondances sur les alter ego. On peut prendre le Captain America, enfin le Steve Rogers, il y a trois itérations différentes. Le Spider-Man, le Peter Parker, c'est pareil. Ils ont voulu faire un anniversaire avec le Hulk, le Ghost Rider et MODOK. Ils ont répété les profils, donc ouais, sans parler déjà de tout ce qui doit arriver de l'univers Marvel directement sur MCP, il y a encore plein de profils qui sont répétés, donc on a une richesse là-dedans qui est folle. Déjà, rien que pouvoir commencer à jouer avec 180 profils différents, ne parlons même pas des cartes tactiques, etc., c'est juste oufissime. La méta, tu la bouges et tu la chamboules tout le temps, quoi. Ouais, j'avoue. On peut jouer ce qu'on veut. On veut jouer l'Asgardien. On joue l'Asgardien. On veut jouer du comique. On peut jouer du comique. On peut jouer des screamers. On joue les screamers. On joue du magicien. On joue du magicien. Ouais. T'as le choix de jouer ce que tu veux en plus. Tu vois, plusieurs faces différentes, de plusieurs figurines différentes.
Donc ça, c'est ça qui est bien en fait. C'est que t'as vraiment un choix et t'es pas obligé de jouer tel personnage et telle chose. Tu peux jouer ce que tu veux, peu importe le super-héros. Ça, c'est dingue en fait. C'est bien. Tu peux te permettre aussi de jouer aussi full affiliation, même si le full affiliation, c'est quelque chose que j'ai un peu du mal aussi après dessus, parce que pour moi, c'est toujours pas... Les full affiliation ne sont pas équilibrées, en fait, dans un sens. Mais oui, tu peux. Et puis, le fait, les règles qui te permettent justement de jouer, de pouvoir splasher n'importe qui, ça c'est vraiment cool, quoi. Et le plaisir de balancer un immeuble. Oh. Oh, ça, c'est juste ouf. Le plaisir de balancer les décors sur les autres personnages, c'est trop cool. C'est trop cool. C'est Magneto les remercie. Bah ouais, c'est ça, mais Magneto, ouais, même ouais. Hulk, là, pour le tournoi, tous les bâtiments étant en T4, Hulk, il s'est régalé, quoi. Ouais, mais il y a eu... J'ai même entendu un joueur qui disait que mon objectif de la partie, c'est de faire sauter tous les décors. Bon, il y a manqué la partie, hein. Mais il faut Magneto pour faire ça, hein, de toute façon. Et vous avez aussi ceux qui veulent vraiment du cinématique. Vous avez ce qu'on appelle l'Ultimate Encounter. Donc vous avez par exemple Dormammu qui se bat tout seul contre toute une équipe dans un scénario. Il y en a plein. En 2v1, ouais. Ouais, t'as Ella, t'as Hulk, t'as Ultron. Ils ont fait Loki aussi pour les Wargame Legend. Ouais. Oui. Non, franchement, c'était cool. C'est vraiment trop cool. Et même si vous n'avez pas envie de vous affronter les uns contre les autres, effectivement, vous avez les encounters qui sont géniaux, quoi. Ouais, il y a moins de choses. Géniaux, avec des profils différents. Et franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool, ouais. On peut se régaler, on peut s'amuser. Puis ça peut être aussi un bon moyen de faire de l'initiation. Ah là, tu vas jouer avec quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux. Vous allez affronter et là, voilà, quoi. Donc ouais, non, franchement, il y a vraiment. Et puis, l'aspect cinématique. C'est ça. L'aspect cinématique du jeu, les décors qui sont ultra réalistes, qui font très comics. Donc au final, on s'y perd pas, puisque les figurines font comics, les décors font comics, les terrains faits par Torek, on va pas se mentir, sont quand même pas mal, sont très jolis. Voilà, il y a vraiment moyen. Après, si t'es un peu plus débrouillard de tes mains, bah, tu peux faire comme ils ont fait les Wargame Masters. Et balancer des maps de ouf, quoi. Donc, faut juste bien réaliser. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc non, vraiment, il y a moyen. Et puis, les enfants, les petits qui grandissent là-dedans, avec Marvel, mais je pense que ça peut aussi les attirer de jouer là-dessus, tu vois. Ah, putain, je vais jouer Captain America, je vais balancer mon bouclier. T'as vraiment... C'est un peu comme Blood Bowl, où tu te fais la scène dans la tête, quoi. Ben là, Marvel, c'est pareil. Les figurines sont ouf, que tu les mettes sur une table de jeu, elles sont juste magnifiques, tu peux les mettre en vitrine, c'est magnifique. Ouais. C'est pas une obligation à Aude, hein. Franchement, Aude, tu peux mettre ce que tu veux, hein. Tu peux faire des affiliations full gentil ou full méchant, t'es pas obligé de mélanger les deux. Hein. Pas obligé, après, tu sais, ils prennent le parti pris aussi derrière que le multivers existe et que tu peux faire ce que tu veux aussi derrière. Et puis là, si on suit maintenant le MCU avec tout ce qu'il va avoir, on va se retrouver un petit peu là, dans ce cas-là aussi. Il y a un autre avantage, c'est qu'on a découvert avec MCP, c'est que comme, comparé à des grands jeux d'armée, on a 36 000 figues à peindre, on fait ça un peu à l'arrache. Comme mentalement, on se dit, Marvel Crisis Protocol, j'ai 10 figurines à peindre, on prend le temps de peindre. Ouais, c'est clair. Et chaque figurine est différente. À chaque fois, à chaque fois, c'est même schéma de peinture, même manière de faire. Non, ça change à chaque fois. C'est pas redondant, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Le fait, ça nous permet de pas être dans la redondance, comme disait Kios, et d'être dans la précipitation, de se dire putain, dans une semaine, c'est mon tournoi, j'ai encore 40 figues à peindre, et hop. Ouais, c'est ça. Là, tu dis, ok, dans une semaine, j'ai mon tournoi, bon, mais il me reste 2 figues à peindre, j'ai le temps. Puis tu prends aussi 3 figurines, tu te dis tiens, je me fais encore 3 figurines supplémentaires. Là, tu changes ton roster, tu bouleverses ou presque tu en crées un autre. Moi, c'est ça qui fait la force du jeu aussi. Là. Ouais, mais il y a tellement de combinaisons qui fonctionnent. Bien sûr. Il y a tellement d'équipes, tellement d'affiliations qui fonctionnent.
Après, bien sûr qu'il y a, il y a une méta, entre guillemets, qui n'est pas la même d'ailleurs dans le reste du monde que chez nous. On a pu voir ça, je dis pas de conneries, c'était au WTC, où en France, on était très attrition. On aimait bien en France, on aime bien jouer, taper, défoncer tout ce qui passe, mais au final, ben, ça se joue pas tant que ça. Et en fait, les adversaires, donc le reste du monde, tout ce qui était Angleterre, Amérique, tout ça, eux, ils jouaient contrôle. Donc c'était beaucoup de Kingpin, beaucoup de Spider, de Web Warrior, etc., etc. Vraiment dans le contrôle du terrain. Mmh. Et, après, tu as vu, on avait quand même 6 joueurs Web Warrior déjà sur le tournoi, c'était déjà quand même pas mal. Mais non, j'ai pas vu justement. On avait 7 Avengers. Non, t'avais pas les listes. Il fallait sur l'application. Ah, c'est vrai. Et oui. J'y vais jamais sur l'application, je sais pas comment ça marche. Ouais, je les ai pas là de disponibles. Mais ouais, il y avait quand même du contrôle, donc franchement, je trouve qu'on le retrouve un petit peu. Après, il y avait des listes qui étaient assez costauds. Les listes Emma Frost, ça, c'est voilà. Si tu aimes jouer Fluff ou quoi que ce soit, à l'inverse, tu peux partir sur Emma Frost et dire, mais en fait, je veux jouer tout ce qui est plus puissant ou partir sur une équipe complètement YOLO, quoi. Mais ça fonctionne. Après, c'est pas pour autant que ce sont des listes qui sont faciles aussi derrière à prendre en main. Emma Frost, quand même, il faut quand même la performer pour bien s'en sortir avec. C'est une très très bonne perso, mais elle demande du doigt de taille. C'est ça. Et comme disait Val tout à l'heure, jouer avec le décor, ça c'est juste ouf en fait. Ouais. Voir un Hulk te soulever un bâtiment de taille 4, taille 5, c'est. Il n'y a pas d'autre jeu où tu peux kiffer à faire ça en fait. Te balancer aussi, hein, te récupérer une figurine, te balancer en plein milieu du chemin ou sur quelqu'un d'autre. Après, tu avais un petit peu le principe aussi sur War Machine avec les jacks, etc. Mmh. Mais de toute façon, après, pas se cacher que de toute façon, ce sont des anciens, Will Pagani et Will Chip sont des anciens de Privateur Press qui ont fait aussi, après, derrière, qui ont fait Guild Ball. Et on sent, après, quand on connaît leur parcours, qu'ils ont maturé sur MCP, qu'ils nous ont sorti une mouture qui est au top. Quoi. Mmh. Allez, même les tables, les tables étaient ouf. Quoi. Pour répondre à ceux qui disaient qu'en fait, il faut les figurines bourrines, en fait, pour le choix, le personnage qui a été le plus pick lors du tournoi, c'est Black Cat, et c'est pas un personnage qui va jouer la poutre. Et le deuxième, c'est Crapaud, donc Todd. Ce n'est pas aussi un personnage qui poutre. C'est un personnage subtil. Et pour répondre à Aude qui est dans le chat, moi non plus, je ne suis pas un grand peintre. Et l'une des figurines les plus populaires du tournoi, c'est Ultron, c'est un robot. Donc tu le peins en métallique, tu peins ta cape rouge, ça est double. C'est ça. C'est vrai. C'est ça, d'ailleurs, mais les listes, elles n'étaient plus disponibles lundi matin. Après... Les listes, on les a. On peut refaire un condensé, le mettre sur le Discord à Tristron, ou même sur le MCP France. Donc, c'est pas trop un problème. Si ouais, sur voulez, le MCP France, ça peut être intéressant, ouais. Ouais, ou chez toi, hein, si tu veux qu'on le mette chez toi. Moi, je le remettrai chez moi, mais. D'ailleurs, justement, enfin, un message direct et indirect, j'en profite aussi, c'est qu'il faut que je passe toutes les feuilles de. Qu'on avait toutes les feuilles de tournoi à Shadow qui nous fera une compilation après derrière en retour sur un petit peu sur les stats qui a été joué. Encore du boulot. Ouais, encore du boulot. Ouais, encore du boulot. On enlève ta veste. Ouais. On aime bien le faire, ça aussi derrière. Non, c'est cool. Franchement, l'histoire des pourcentages, ça peut être cool. Ça permet de voir la méta actuelle en France et ça peut être très intéressant. C'est ça. Vous les étrangers, les Français, on joue toujours des méta différentes. Notamment, j'ai entendu dire que la dernière fois que Mordo était très joué aux USA, alors qu'en France, on joue absolument pas. Ah, moi, je le joue tout le temps, Mordo. Mordo dans ma team inhumain, il est indissociable. Mordo, très intéressant dans le sens où tu peux distribuer les conditions à tout le monde, quoi. C'est génial. T'as le feu ? Attends, bouge pas. Tiens, toi, t'as le feu. Allez, hop. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est trop bien. Non, franchement, c'est trop bien. Façon convoque et jouer à l'international, c'est jouer. Là, on n'a pas vu une seule liste. Une liste convocation, par exemple. Mais pas d'inhumain non plus, à part moi. Ou encore moins une liste d'Orbamon. J'étais le seul à jouer inhumain, quoi. Inhumain, parce qu'il n'y avait pas Gulric.
Pourtant, oui, Non, mais c'est non, ce qu'il m'a dit. il était arbitre, hein, sinon il serait passé en inhumain parce qu'il fait pas rire C'est ce qu'il avec m'a son dit. Il m'a roster. dit: ah, je suis content de voir une équipe d'inhumains en regardant mon étagère là. Il dit: ah, ça fait plaisir et tout. Je dis: bah ouais, en plus avec le hub de Black Bolt et tout, ça aurait pu être intéressant à voir. Ça aurait pu être intéressant à voir. Mais voilà. Après, bon, pour en revenir au FWD, effectivement, c'est un gros event. On croise les doigts pour y être l'année prochaine. Non, il n'y avait pas de Midnight Suns non plus. Si, Ah ouais? si, si. Ben, si, si, tu avais juste. Et oui, en plus, il a joué sur la table. Oui, c'est vrai. Parce que tu avais juste Aljamis, donc, qui joue Web Warrior. Et en règle générale, de toute façon, c'est ce qu'il fait, c'est que quand il a la priorité, qui c'est qui a la première activation, il joue Web, surtout s'il peut poser ses extrats. Et après, en règle générale, en deuxième, quand il perd la priorité, il joue Midnight Sun. Enfin, c'est juste Blade Hulk et c'est parti, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai vu, effectivement. Donc ouais, on croise les doigts pour être là l'année prochaine, clairement. Parce que j'ai envie de Ouais. revivre ça. Carrément. J'ai envie de Mais tu revivre vois, ça. je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Asmodée. Oui, le fait que derrière il y ait du visuel qui voyait derrière qu'on a apporté des qu'on a enfin que c'était représenté, qu'il y avait des tables et tout, ça peut être bien. Qu'il y ait un retour de Julien aussi, ça peut être intéressant. Mais je pense qu'il faut un petit peu. Enfin, je pense que. Moi, je me dis que dans pas longtemps, il va falloir que peut-être que j'aille taper à la porte, que j'envoie un message, un mail, que je discute un petit peu avec eux. Je sais que Dimitri bosse avec eux, Jim pour ses lots. Après, je sais pas ce qu'il en est pour Marco, pour Nico, même Ludo d'ailleurs, qui était là sur les lives. Merci à toi, Ludo. Et on avait beaucoup discuté avec Ludo, qui me disait justement qu'il pouvait pas être là, mais qui sera là pour les prochaines. Enfin voilà, donc je pense que pour moi, le travail que j'ai envie de faire maintenant, c'est ça, c'est d'aller voir un petit peu tous les clubs, toutes les communautés qui se développent, et aussi aller voir un petit peu Asmodée et leur demander qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on peut organiser, parce qu'après je sais que moi il y aurait des joueurs qui voudraient faire du circuit. Alors avant de faire de l'international, de faire du circuit national, quoi, je sais pas, des Carrément. qualifs, des championnats de France, etc. Marco aussi, ouais. Voir aussi derrière, s'il y a le Wargame Legends 2, on attend avec impatience. Ouais, je pense qu'il faut après qu'au derrière on se bouge un petit peu les fesses, qu'on aille voir les principaux acteurs pour se dire: oh, qu'est-ce qu'on fait? Le jeu, la communauté a envie de faire vivre le jeu, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Comment vous répondez? Alors moi, pour ma part, je vais faire plus de contenu, plus de vidéos, plus de live. Et de toute façon, c'est ce que je t'ai dit, hein. Au plus on aura des créateurs de contenu, hein. Il y en a qui se mettent en place, hein. Ça apportera de la visibilité. Et si on arrive à, je dis, à avoir les gros, c'est parce que par exemple, tu vois, encore une fois, Michael de Iggy TV, Julien s'il continue parce qu'il avait envie qu'on fasse une vidéo, donc qu'on se rencontre, etc. Mais c'est ce que je lui ai dit à Jules, tu vois, il nous a fait la proposition en me disant: ouais, mais si vous voulez monter avec deux membres du club pour faire des parties, moi ça me dérange pas, on filme et ouais. C'est pas mal, ça va faire plaisir aux deux mecs qui viennent. Mais comme je dis à Julien, je dis, il n'y a que toi qui pourras faire rayonner encore plus le jeu. Parce que faire une vidéo avec deux pimpins Salut, lambda qu'on Jacquemont! connaît pas, que contre toi, tu joues avec quelqu'un d'autre, ou encore moi, parce que Qu'est-ce qu'on fait Julien quand avait il prévu qu'on fasse encore des ne pense vidéos. pas? Mais c'est Julien qui peut, c'est peu que les gros créateurs de contenu qui pourront faire vivre ces jeux-là, quoi. C'est ça. Merci infiniment, Ladridel, pour ton raid. J'espère que ton Hé, raid s'est bien chacun! passé, mon poulet. J'espère que ton raid s'est bien passé. Et oui, non, mais de toute façon, on va se bouger le cul, et puis on va faire en sorte que le jeu, que ça suive, quoi, tout simplement, Bah hein. ouais, bah tu vois, en plus que chacun, on s'était vu, nous, à la boutique à Aubagne, à Ouais. Rebelleforge, c'est pareil. Il faut que je retourne voir un petit peu l'ode pour. Enfin, je l'avais dit dès que je finissais le French Weekend Day, de proposer des animes, proposer des petits trucs. Bah, c'est ça, ouais. Je sais que moi, la boutique du collègue, hein, Table Rase X, les BDR sur Vitrolles aussi. Visiblement, il y aurait peut-être une nouvelle association, un nouveau groupement qui se montre sur X. Bon, alors après, je vais vous dire oui, d'accord, sur Sud-Est, on se bouge le cul.
Et Il y a il une faut que ça, association à Pau. voilà, faut que ça explose aussi après derrière. Il y a du monde qui attend, hein, Angoulême avec Dams, un poulet. Voilà, il y a du monde. Il y a du Vive monde. MCP. Ouais, c'est clair, chacun. Bon, je suis d'accord avec toi. Vive MCP. Chez moi en Normandie. Ouais! Ça, Ben, de partout. De pour partout. revenir à l'event, moi franchement, je vous le dis sincèrement, je suis revenu en enfance. Hein. Ah, bah ouais. Il fait 10 ans en arrière et c'est ouf quoi. J'ai l'impression que je suis reparti quand j'avais 8-9 ans quoi. Ouais, c'est ça. Yggdrasil J'avais Wargame à 12-13 ans. Pau. Oui! Voilà, bien sûr, meuf. C'était un peu une bulle temporelle en fait. Dès qu'il y a eu l'event d'entrée, on a plongé dans le temps Exactement, et c'est ça clair. s'est arrêté que quand l'event c'est avec la cérémonie de fin. Exactement. C'est très particulier à ressentir, mais on était vraiment dans un but temporel. Il n'y a rien qui existait en dehors et ça nous a fait vachement du bien, quoi. Ouais, Avec c'est Val, on savait tellement même vrai. plus où mettre les yeux. On en parlait, on n'arrêtait pas de se le dire. On n'arrivait pas à réaliser qu'on était là en fait. On en reparlait de quand on était à Aubagne, quand on avait été à Rebelforce, tu te rappelles, Dan? Bah oui, parce que je vous C'est. ai vu là-bas. Je disais, mais on n'aurait jamais pensé pouvoir arriver à un event aussi gros comme ça il y a un an ou deux en arrière. C'est juste ouf en fait. C'est un rêve qui est devenu réalité. C'est. Bon, on y était à Échirolles le week-end dernier, chaque bon. C'est magique. Mais tu as raison, tu as raison. De toute façon, c'est que c'était. Enfin, et je te dis encore une fois, moi, pour moi, de me dire. C'était marrant parce que plein de projets, moi, qui se profilent pour moi, pour le pro, etc., et pour le reste. Mais si on me pose la question il y a 6 mois pour me dire, mais en fait, tu vas organiser le French Organ Day, mais. J'ai de la vie, je me suis dit de toute façon déjà pour réussir à toucher Julien, enfin voilà, à l'approcher, c'est hyper compliqué parce que moi je lui avais fait une première demande l'année dernière. J'avais vu aussi après avec justement avec lui si il était intéressé par le jeu ou pas. Mais voilà, de savoir que derrière ça aurait été réalisable cette année, mais j'y croyais pas du tout quoi. Mais J'y croyais pas du tout. Par c'est contre, bah carrément du coup, ça. j'ai pas eu une seconde les chocottes derrière pour me lancer parce que je savais très bien que on a du Salut les potentiel noobs. au club, Salut on a Nakara. les reins solides. Et les noobs. Mais pour en revenir à ce que tu disais, il y a 6 mois, je suis d'accord avec toi. Et bah, moi je suis pareil. Hein. Salut Ben, il y a 6 mois, clairement, si on m'avait dit un jour. Val, tu vas couvrir l'événement MCP au French War Game Day, je t'aurais dit, Ou mais pas. tout à fait. C'est ça, Mais tout exactement. à fait. J'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru. Et effectivement, le fait que vous me donniez ma chance, que Evie me donne ma chance d'être là où, entre guillemets, bah, ça reste, encore une fois, ça reste un step-up dans la vie d'un streamer quand même. Ça reste quand même le plus gros event wargame de France. C'est ça. C'est Donc, ça. même avec l'invitation, tu y croyais pas. Non, mais de ouf. Surtout que. Attendez. Attendez, parce que du coup, là, je vais tirer à blanc. Là, je vais tirer à balle réelle parce que. Ça faisait un mois et demi que j'étais au courant. Un mois et demi que j'étais au courant. Et toutes les semaines, il y avait Dan qui m'envoyait des messages me dire: Putain, ça craint, c'est pas encore sûr. C'est pas encore sûr, toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Et 2 semaines avant que je vous le dise, il m'a dit, c'est bon, c'est validé. Donc imaginez-vous, pendant 2 semaines, j'ai dû tenir ma langue pour pas vous le dire, quoi, que j'allais streamer l'événement. Donc, quand je vous l'ai dit, j'étais comme une pile, bah, imaginez comment j'étais pendant les 2 semaines, quoi. Donc, et tu m'en as même pas parlé de suite. Bah non, j'avais pas le droit. J'avais pas le droit. Voilà. Donc, et merci de chaîne pour le follow. C'est Donc, moi qui fais le casse-couille après derrière. Hein. mais tu as Donc, raison, tu as raison. Donc voilà, mais vraiment, vraiment, c'était et une bonne expérience. c'est dommage qu'il soit pas là ce soir, Nono. Mais justement, tous les lundis soirs, quand t'as les réunions, qu'il y a les trucs qui avancent, d'autres trucs qui reculent, etc. Et que tu es bloqué, parce que même mon club, il y avait certaines choses que je pouvais pas dire. Et de toute façon, même, j'ai dû attendre du temps avant de l'annoncer, moi, directement au club. Donc la position, elle est
horrible. C'est hyper chiant, quoi, parce que enfin, moi, je suis un gosse. Dès que j'ai une bonne nouvelle, enfin, tenir un secret ou pas. Non, je déconne. Ah, je Mais suis même voilà, normal. quand t'as de l'engouement sur ça et tout, et que tu peux rien dire, c'est hyper difficile, quoi. C'est Donc, clair. tenir tout ce temps-là, et après te retrouver, en fait, entre deux, quoi. Avoir le cul entre deux chaises. Oh, c'est assez compliqué. Je te dirais que, de toute façon, moi, dimanche soir, une fois qu'on a fini la cérémonie de clôture, qui a eu les annonces pour les podiums, etc., et qu'on s'est dit, c'est bon, on l'a fini, qu'on a serré les pattes à tout le monde et qu'on est remonté à la salle pour ranger. Mais ça y est, j'avais fini, j'étais vidé complètement. Et encore, je voulais faire un petit rituel que j'ai pas eu le temps de faire, mais ça c'est autre chose. Mais c'était hyper difficile et le retour a été hyper compliqué. En plus, j'étais malade. Et encore une fois, je te fais des gros bisous. Je suis en train de regarder dans les yeux, mais ça marche pas. Mais mon Zekios qui m'a récupéré le dimanche matin, je l'envoie à la pharmacie pour me récupérer de quoi tenir. Sinon, mais j'étais en vrac complet. Mais la pression, voilà, le retour, ça a été hyper, hyper difficile. Comme j'étais en plus malade, là, cette semaine, je reprends juste demain, mais j'ai été éclaté complètement. C'était moralement, physiquement, c'était fatigant, mais ça, après, on s'en fout, quoi. Tu vois, tu dors bien et puis c'est reparti. C'est ça. Moralement, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Et derrière, de savoir qu'en fait, on t'a dit que il faut que tu valides, que tu coches la case, il faut que tu valides le palier pour te dire que c'était bien, et quand on t'annonce que c'était au-dessus, que c'était parfait, que ce soit par Julien, enfin, que ce soit par les gros orgas, et aussi par les copains, par le bureau, nous, par le presse, etc., au club. Ouais, j'avoue. C'est voilà, c'était hyper compliqué, mais du coup, ouais, une expérience comme ça en tant que joueur, c'est top. C'est vraiment génial. Moi, l'année dernière, quand j'ai vécu ça, je me suis dit, bon, il faut que j'amène tout le monde, il faut qu'il y ait un maximum de potes qui viennent. Mais quand tu le passes en tant que qu'organisateur et que tu trembles intérieurement, parce que moi, je suis toujours du genre à être très diplomate, à relativiser, etc. On véhicule tous nos stress de façon différente. Mais c'est pas parce que tu l'affiches pas que tu l'as pas. Bien au contraire. Ouais, quand on a transformé l'essai, ça a été la délivrance, quoi. Mais pareil de mon côté, tu vois, quand j'ai commencé à faire un peu le tour, à dire au revoir à tout le monde, on a parlé un petit peu avec Jules, enfin avec Evie, et puis clairement, il m'a dit franchement, rien à dire quoi. Il m'a dit, voilà, il m'a dit clairement qu'au début, il était un petit peu inquiet, parce qu'il me C'est connaissait ça. pas, on n'avait jamais parlé et tout. Donc forcément, il était un petit peu inquiet, il connaît sur le personnage quoi. Mais quand samedi matin, il est arrivé, il a fait le tour des tables, il a vu qu'on était complètement autonome. Que ça soit en termes du tournoi MCP et moi de mon côté en streaming, il me l'a dit. Il m'a dit clairement, on a rien à ton. Voilà quoi, c'était nickel. On a rien à dire. C'était, t'as fait ton truc tout seul. T'as rien demandé à personne. Même pour la connexion internet, tu t'es démerdé tout seul. T'as eu ce Ouais, qu'il mais c'est fallait ça. et tout. Donc voilà, franchement, ouais, quand tu veux. Mais il m'a passé le message, hein, justement, Julien, te concernant. Et quand il a vu le vendredi soir, quand il a vu ton setup, il a fait Ok, c'est bon, c'est bon, ne bouge. Non, mais réellement, tu vois. Donc, c'était vraiment super important parce que moi, l'expérience que j'en retire aussi, vraiment de pouvoir passer en tant que orga principal, être dans l'orga avec toute la grosse orga entre les différents joueurs, etc., et d'avoir des décisions à prendre, etc. C'était vraiment une très très bonne expérience enrichissante, et moi aussi j'avais envie que forcément que ça fonctionne pour toi absolument. Et quand on l'a vu, quand t'as vu tes records que t'as fait, l'audience que tu as eue, c'était, enfin, voilà, c'était amplement, amplement mérité, quoi. Pour MCP, tout simplement. Oui, Pour voilà. MCP. Mais après, j'ai envie de te dire, moi je suis arrivé là-bas en tant que professionnel, tu vois. Mais c'est ça, Je c'est suis pas ça. arrivé en me disant,
Ben, c'était le ben, c'est ça hein, c'est quand nous on a commencé à parler de chiffres et de et enfin parler professionnellement, c'est là où tu te dis bon, je suis pas tombé n'importe où et au moins c'est vachement pris au sérieux. Moi, c'est comme ça que j'ai amené mon mail en le faisant le plus sérieusement et professionnellement possible. Ben, c'est comme ça que je me suis vendu auprès de toi. Hein. Donc, Ouais, tout à fait. non, non. Oui, Max, c'est prévu. J'ai commencé à me faire un petit panier sur Boulanger, là. Voilà. Donc, non, non, ouais, clairement, c'était comme ça que je m'étais vendu. Et puis, encore une fois, je le répète, parce qu'il y a une bonne partie de la commu qui est là, mais je souhaite quand même professionnaliser le tout. Donc avec du matos, vraiment, avec du matos de pro. Donc oui, à un moment donné, oui, bah, il faut montrer qu'on est présent et qu'on fait pas de l'amateurisme, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, je tiens vraiment à féliciter vraiment votre association, parce que vous avez Ah ouais. géré le truc, les gars. Vraiment, j'ai rien à vous dire. Vous avez été vraiment professionnel de ouf, vraiment. Et je vous applaudis d'ailleurs, vraiment. Et merci pour Val aussi, qui vous est de l'avoir invité, parce que moi, quand il m'a annoncé ça, on aurait dit un cabri dans un champ. Ah, c'est clair, J'ai j'étais sauté de comme rire, un fou. vraiment. Et quand il m'a dit, tu viens? Bien sûr que je vais venir, bien sûr, obligé. T'étais obligé de venir, toi, de toute façon, Obligé, obligé, c'était on est obligé. obligé. Et le fait d'avoir vécu cet événement tous ensemble, entre amis, c'est entre passionnés, c'est juste, mais un truc de malade. En fait. Il n'y a même pas de mots pour le dire, c'est impressionnant C'était quand même. fou. C'est ouf. Mine de rien, il y a aussi les rencontres, hein, parce que moi, avant de débarquer à l'événement, je vous connaissais absolument pas. Même Skull Game, je ne connaissais pas. C'est IA. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis bon, on s'est rencontrés, puis ça s'est bien passé. Puis maintenant, bah, je compte bien suivre tout le monde. Carrément. Carrément. Ah, c'est clair. Et C'était justement, comme vous dites tout à l'heure, il faut qu'on fasse en sorte que MCP grandisse encore. C'est le but. Il faut que ça continue à grandir et il faut que ça explose. Après, on va faire le nécessaire derrière pour que arriver là où on veut que ça arrive. Mais il va falloir du temps et du travail. Ouais, bien sûr, bien sûr. Putain, du travail. Ouais. Mais en serrant les coudes et en lâchant rien du tout, ça va finir par payer de toute façon. Donc Il y a encore une équation économique qu'on maîtrise pas et que derrière qu'on arrive à changer. Après, ça peut paraître aussi, après derrière, peut-être on se met un petit peu des étoiles dans les yeux, on se dit putain, ça serait beau. Mais ouais, faut vraiment qu'on arrive après derrière à faire comprendre après que à Asmodée qu'il y a du potentiel, que leur jeu est bon et que il faut qu'ils poussent. Voilà, donc C'est faut clair, vraiment que faut qu'il derrière, pousse. faut que ça rentre maintenant dans les boutiques, et puis il faut que ça plaît dans les boutiques, dans les cafés, dans les bars à jeux, etc. C'est ça. C'est assez important, donc. Donc ouais, moi je ouais, j'ai quelques idées là-dessus. Je balance rien pour le moment parce que de toute façon c'est un stade embryonnaire, mais ouais, j'aimerais contribuer moi à ça, derrière à faire avancer un petit peu les idées pour Asmodée, pour leur dire que ouais, il faut se bouger quoi, pour le jeu ce serait pas mal. Ce qui était cool aussi, c'est pour Val, c'est que il a que Evie fasse en sorte d'accepter qu'il vienne pour que ce soit le seul streamer de l'événement qui stream Ah MCP. oui, parce que clairement, comme il disait, Ça. que pour information, j'étais le seul à streamer le FWD, quoi, à couvrir le FWD. T'avais pas les streamers pour 40K, un truc comme ça? Non! Non, non, il Non. n'y avait aucune table, il n'y avait personne qui streamait au FWD. Ah J'étais mais il y en le a, y a... seul. D'accord, parce qu'il y en avait Vincent, rappelle-moi, il y en avait pas 4 ou 5 l'année dernière. Ben si! Alors, au précédent French War Game Day, il y avait une table avec des joueurs streamers, AlphaCast, Presser, etc., Ouais. qui se filmaient. Cette année, ils ont décidé de ne pas filmer. D'accord. Mais pour quelle raison après, Ils avaient juste envie de juste kiffer. les mecs. Ouais, d'accord, ok, mais putain, enfin, je sais pas. Ok, bon, bah, très bien, mais alors, t'as fait encore plus le meilleur boulot, quoi. Mais très bien.
C'est que sur MCP, bah, tant pis pour les autres. Mais bah, c'est ça, ouais, parce que je pouvais pas faire autre chose. Mais Après, c'est vrai que putain, c'est vrai que j'étais triste, moi, de voir. J'ai posé la question justement à Letchai, donc à Nico, l'orga de Star Wars Legion. Attends, il faut que j'aille justement, il n'y avait pas Pyro. Pyro n'était pas là pour l'événement. J'aurais bien aimé le voir, surtout que moi j'étais avec lui l'année dernière. On a beaucoup parlé avec lui et Toto. Mais ouais, c'est vrai qu'il n'y avait personne. Putain, c'est con, ça. Après, c'est bien parce que ça lui a donné un peu plus de visibilité, du coup. Donc, ça donne la visibilité à tout le monde. Tout le monde, voilà. Le fait de même toi, même vous, quand vous avez commencé à parler, faire le débrief avant de commencer l'événement et tout ça, c'était ouf, quoi. Tout le monde était à l'écoute autour de vous, tout le monde écoutait, tout le monde... Voilà, c'était... Les gens, ils ont été sérieux, il n'y a pas eu de problème, c'était carré, c'est organisé vraiment très très bien. Ça, c'est juste bien, quoi. C'est cool. Que ça se passe dans de bonnes conditions comme ça, je vais demander de plus. Pour dire un peu, j'ai vu un peu une interview d'Ivy. Même les agents de sécurité étaient super contents. Oui, et ça, ils nous l'ont dit d'ailleurs, parce qu'avec moi, à un moment, quand on est parti à la voiture se récupérer quelques conneries, bah, ils nous ont dit, mais franchement, aucun problème. Les toilettes étaient très propres. Donc, rien que ça, ils étaient super contents aussi. Donc, ouais, franchement, ça fait plaisir d'avoir du monde qui respecte aussi l'événement et qui ne fout pas le bordel à côté, quoi. Donc, ça, c'est bien. Pas du tout l'esprit de l'événement. En plus, ouais. C'est incroyable, hein. On était tous dans le même, même bon mouvement, bonne énergie. C'est ça, tu pouvais parler avec tout le monde, en fait, tout le monde, tu parles à n'importe qui, les gens ils te parlaient, ils prenaient le temps de discuter avec toi, ils faisaient des connaissances, tu gardais des bons contacts, et après, voilà. Et autant ces gens-là tu vas les revoir dans d'autres événements, que ça peut se passer, peu importe, à Lyon, à Pau, à Aubagne, ah ouais mais t'es là, toi. Et tu sympathises, et après tu crées un lien d'amitié en fait, c'est ça qui est bien. On partage la même passion, donc entre passionnés, tu kiffes quoi. Bah, moi ça a été mon kiff ultime, moi justement, de voir toutes les personnes que j'avais envie de voir sur la commune, enfin, tous les gens qui étaient là, tous sans exception, c'était vraiment cool de pouvoir discuter. Avec tout le monde, de revoir des anciens potes. Enfin, moi, ça m'a fait super plaisir de revoir Bastien. Bon, bah, de voir mon poulet, de revoir Dams encore. Je sais plus quoi. Je crois qu'on l'a vu sur Dams, War Machine aussi. Kush aussi, la team de Grenoble avec Titi. Je sais pas si tu te rappelles Vince de Titi, tu sais, sur War Machine. Justement, il m'a dit on va essayer de le faire venir pour la prochaine. Non, c'est vraiment cool de revoir tout le monde. Enfin, moi, je sais que on s'était attribué chacun un petit peu nos rôles avec Vincent et avec Nono. Et moi, je sais que j'étais complètement sur la carte de la communication. J'adore faire ça. Je le fais énormément, moi, déjà dans mon boulot, mais c'est ce que j'adore faire le plus. Et moi, je me suis vraiment régalé. Je me suis nourri de ça tout le week-end. Ça a été que du bonheur et de voir que justement les gens sont contents par rapport à l'événement, à ce qu'on propose, ben ouais, c'est hyper gratifiant. Carrément. Par contre, sur le moment, tu sens pas, t'es tellement dans l'événement, dans le move, dans l'action, tu vois, que la fatigue, en fait, le soir quand tu pars, elle te tombe dessus, mais d'un coup. Et ou pas. C'est ouf, quoi. C'est ouf. Et lundi matin, je suis rentré dimanche après-midi, lundi matin, j'ai galéré à me lever. J'étais limite en retard au travail, parce que la fatigue, elle m'est retombée dessus d'un coup, quoi. Donc, alors sur le moment, tu le sens pas, parce que t'es tellement content, tellement à 10 000 d'être là, de profiter, que quand ça te tombe dessus, après que t'es parti, mais tu prends un retour de flamme, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est deux fouettes. Ouais, c'est clair. Attends, moi, dis-toi que j'ai mis. Je crois que le vendredi soir, je mets 2h30. Je mets 2h30 à m'endormir. Encore pire, le samedi soir. Le samedi soir, le,
Le dimanche matin, dans le trafic, j'étais au milieu, j'étais comme ça, j'étais fracassé, une tête de zombie. J'aurais pu jouer, tenir un bon rôle dans The Walking Dead sans maquillage. Et je sors, je vais pour passer le pas de la porte, et je reprends tout le boost, une énergie de dingue, et ça marche comme ça. Enfin, j'ai marché comme ça tout le week-end. Moi, c'est l'adrénaline qui m'a tenu à l'aise, qui m'a permis d'être au taquet, quoi. Mais Ouais. après, derrière. Il y avait ce petit truc qui fait que quand tu étais là-bas, dès que tu rentrais, C'est t'étais ça. pris d'une énergie et puis tu C'est ça. repartais pour une journée, quoi. C'est ça. Alors moi, ce que j'ai kiffé par contre, bon, j'étais pas habitué par contre, hein, clairement, je me suis pas habitué, c'est la gratuité des canettes et des sneakers pour les guests et les orgas. Je suis pas habitué à ça. Du coup, j'en ai pas trop profité, tant mieux d'un côté, mais effectivement, j'étais pas habitué. Donc ça m'a fait bizarre au début quand on m'a dit non, non, c'est bon, j'étais là avec mon jeton, mais prends-le, prends-le. Il me fait, mais C'est non, c'est ça. gratuit. Mais non, mais je m'en fous, prends-le. Puis tu vois, tu pourrais en profiter. Moi, je crois que j'ai dû prendre un sneaker sur tout le week-end. Bon, par contre, j'ai dû consommer 5 ou 6 bouteilles de cristalline, mais que ça, quoi. Donc, Ah, des bah j'ai. fois, même en Ouais. plus, tu le fais presque pas, quoi. Même Deux pour la sneakers, ouais, bouffe. et puis 5 ou 6 canettes, puis c'est tout, quoi. Et les Mais. bénévoles, franchement, ils ont bien géré le truc. Ouais. Par Ils ont contre, c'est vrai tout que fait c'est hyper taffer. gratifiant quand tu arrives Ouais. devant. La queue, la longue queue, tu te mets sur le côté, tu passes et t'as les mecs qui te regardent. Vous avez Ouais, ça la fait haine. partie du jeu. Désolé pour ce que j'ai C'est passé, je ça. suis passé devant, quoi. Fait, hop, t'as regardé, il y a écrit quoi là? Orga, voilà. Ouais, staff. Ouais, c'est Tiens. ça En pète. fait, je passe un petit The message. Walking Dead, tout à fait, Clou. Merci. Merci à Marjo et les noobs Ouais. de Ouais, tout à fait. Marjo, elle a D'être géré. occupé de nous comme ça, c'était Marjo. vraiment trop Voilà. cool. Vraiment, Marjo, t'as assuré et un grand merci à toi. Vraiment. Donc, je sais Et pas si elle. tous les orgas, de toute façon, ont été Chev, Fred et Gigi. Putain, c'était vraiment que du bonheur, quoi. Et l'année prochaine, les gars, je vous montre un truc. Hein. L'année prochaine, je veux ça. Eric, il pille les frigos l'année prochaine. On voit rien sur ton truc. Ah Je ouais, veux un l'année fond prochaine. Marvel Crisis Protocol. Ben, t'as quatre le faire, ton fond. Qu'est-ce que tu casses tes couilles? Mais eux. Corset, ils veulent corset. Voilà, tu prends une photo, tu l'agrandis, ou alors tu vas demander, je sais pas, à Tonio, peut-être que Tonio te le fait, quoi. Mais ouais, une énorme bâche. Mais oui, ben ouais, bien sûr. Et tu fais des tapis chez Torek? T'avais qu'à prendre ton fond vert. Je l'avais, monsieur, mais j'avais rien pour l'accrocher. Ben, il fallait que mes fosses, ils viennent pour le tenir. Voilà, c'est ça. Et tu avais un super cosplay de Black Widow qui sort du coiffeur. Ouais, j'avoue. J'avoue. Eh, c'est vrai, on a eu Thor, on a eu Black Widow. L'année prochaine, Dan, il se cosplay en. Tu sais, au petit, là, avec les épées, là. Dans Thor Ragnarok. Qui se fait Pas du écraser tout, par non. Korg. Ah oui, d'accord, ok, super. Ouais, Espèce t'as de petit raison. ninja, là. Non. Julien m'a demandé un autre cosplay, donc. Ah, vas-y, je Voilà. t'écoute. Ah bah, tu vois la mèche blanche. Collectionneur? Voilà, t'as trois persos. Soit le collectionneur, Stanley? soit Strange, soit Monsieur Sheffield, mais Monsieur Sheffield n'est pas dans l'univers de Marvel, donc. Ah non, c'est une nounou d'enfer. Monsieur Il m'a dit ça, Sheffield. j'étais mort de rire. Ah, par contre, ouais, on. On a une promesse de cosplay de l'année prochaine pour Gulric. Ah, il a Il a dit. dit qu'il viendrait en juge Dredd. Oh, ouais, mais non, mais faut rester dans Ça MCP. Faut rester dans l'univers marche, hein. Marvel. Ça marche. Bon. Bah, ils ont bien fait juste Dredd avec Batman, pourquoi pas dans Marvel? Ah. Ah, c'est vrai. Yo, Non, mais en Joe. Matt Murdock, Bah, je moi vous ça me sers un bon plairait. coup. Je suis claqué, bonne soirée. Et des bisous, Dios, bonne soirée à toi. Bisous, Dios. Bonne Non, je soirée. pense que l'année prochaine, si je dois revenir, déjà j'espère que j'aurai perdu un peu de poids d'ici là et je serai Aïe. en Thor version armure. En gros Thor, mais avec l'armure. Putain. Avec les tresses sur la barbe là. Paye-toi le cosplay, quoi. Ouais. Ah, ça va être fou. Ça Ah, va être mais bon, fou. si tu nous fais le coup encore en me disant, ouais, je laisse tomber le cosplay parce que j'ai trop chaud. Si tu le gardes que 2 heures, c'est pas intéressant, Je quoi. l'ai gardé toute la matinée, t'es vraiment de Ouais, ben mauvaise voilà, langue. c'était quoi la matinée? Rien du tout, c'est C'est que dalle. énorme la matinée, on a commencé tôt en plus, Ouais. 7h30 on était là. Ouais, Non, non, je l'ai gardé toute la matinée, j'ai fait même la séance d'ouverture avec et tout le monde qui se yes. retournait avec le sourire.
Ah, c'était cool. Non, c'est classe. Ah, je sais pas encore le. Je pense que ça va faire partie du. Un point du règlement, c'est que pour tous les joueurs qui viennent, qu'ils annoncent leur affiliation, mais en cosplay. Voilà. Ah. Je sais que si Carrie vient, du coup, il sera en Kingpin, et ça lui va vachement bien quand on a vu son cosplay qu'il a fait pour la WTC. Mais ouais, ça peut être drôle. Ouais. Il y en a qui vont changer d'affiliation juste pour pas avoir des costumes trop ridicules. Ça, je vais venir en Médusa. Avec des gros cheveux longs, là. J'attends le premier joueur, ouais, Warrior, voilà. Mais il y a Evie déjà, il a le costume. En bouffon vert. Ouais, un bouffon vert, ouais, c'est ça. Moi, un Docteur Octopus. Hein. Moi, je fais Spider-Man, et j'ai le corps pour. Non, toi, t'as le corps pour t'habiller en Loki. C'est Spider-Man. Loki. Ouais, en Loki, ouais. Ah, il faut m'acheter une perruque, alors. Il faut t'acheter, tu fais, hein, tu l'achètes. Hein. Oui, il faut que je m'achète une perruque. Ah oui. C'est pas ce qui coûte cher, une perruque de cheveux, hein. Non, mais c'est le sceptre qui va me coûter. Moi, si je viens, je m'habille en Batman. Tu peux, Chacabon. Tu resteras juste devant la porte, toi, c'est tout. Faut que du coup, Marjo, elle vienne et qu'elle joue A-Force. Ouais, en mode Black Widow. Non, A-Force, le leader. She-Hulk, tu la mets en Jennifer Walters, en avocate. Elle a pas les bras. En avocate, juste avant transformation. Ah. Ouais, mais on fera à l'aide. Et déjà, t'as demandé à Gamora de venir dans sa vraie forme? Oui. Je lui ai demandé. Ça, j'ai déjà demandé à ce que Gamora soit en verte. Ouais, elle soit en cosplay l'année prochaine. Bah, on lui avait dit quand on l'a. Lors du classement, on lui a dit la prochaine fois, tu viens en cosplay. Non, ça peut être cool, je pense. Des cosplays, ça peut être chouette. Bah, y en a eu deux qui se sont bien fait remarquer, qui sont venus en poney. Oui, ouais, le 9e âge. Et avec une référence au Seigneur des Anneaux. Ça marche, Barkham. Après, on a vu d'autres phénomènes au 9e âge. Avec des croc-tops, avec des tatouages de Zench et tout. Enfin, c'était chou quand même. C'était pas mal. On en a vu un, ou une, je sais pas, avec une calvitie et des cheveux longs. Ah, lui, il a tué le game. Il est pas sûr d'avoir des cheveux ou pas. J'ai dit à Val, on est où là? Je pense qu'on va redescendre de notre côté. Ouais, on est vite redescendu quand même. On est vite redescendu. Quand on a vu. Oh, les spécimens. Voilà, ouais. On a eu peur. Putain, on est passé par quelle porte temporelle, quoi. Tu les as pas vus, Dan? Ils sont venus devant en bas des escaliers où il y avait notre salle à nous, MCP. Ouais, si. On avait un qui était maquillé côté blanc et après rien, avec les cheveux bleus, je crois, ou violets. Ouais. Bon, il en faut, hein. Après, l'idée, ça fait partie du folklore. Hein. Bah ouais, l'idée était cool. Par contre, les figurines de 9e âge, elles étaient impressionnantes. Hein. Ouais, franchement, ouais. La taille des figurines, celui qui avait fait son plateau en forme de navire, impressionnant. Wow, grave, incroyable. Et puis les décors et les plateaux et Seigneur des Anneaux, c'était fabuleux. Les mines de la Moria avec le Balrog juste à côté. Non, sérieusement, même les peintures, hein, les gens qui ont les prix de peinture qui étaient à l'entrée justement. Ouais. Comme moi, l'armée de comment ça s'appelle? Alors, je vais vous dire de Dogre, j'ai plus le nom maintenant pour AOS là, mais l'armée de pirates, elle était folle. Avec les chevaucheurs de Rhinox, à la place des Rhinox, ils ont mis des éléphants de mer. Ah, excellent. L'armée, elle était terrible, quoi. Au fond, t'avais un gros ogre qui avait son menhir en mode Obélix. C'était vraiment sympa. Il faut chacun. Mais ouais, carrément. On viendra déguisé. Mais ouais, non, ça peut être sympa à faire et à voir. Donc, est-ce que t'as une date à peu près de quand on pourra annoncer ou pas les Wargame Legend, les MCP FWD2? Non, pas du tout. Eh bien, tu as gardé un secret maintenant. Ouais, en plus. Mais non, pas du tout. Vraiment, là, comme je te dis déjà, c'est savoir si, une, on reconduit le MCP au French Wargame Day, et de deux, savoir si c'est Grenoble ou ailleurs. Après, ailleurs, ça serait très proche d'une grande capitale française. Ouais, donc Bordeaux, ouais. Lyon, Marseille, non, très grande capitale, Paris. Ouais, Paris. Paris.
bien sûr. Ouais, mais Paris, bien alors sûr. Le souci de Paris, c'est qu'on taperait dans l'international éventuellement, quoi. C'est un souhait de, c'est un souhait de Julien, en fait. C'est un souhait de Julien, justement, d'aller chercher l'international aussi derrière. Donc voilà, moi après, je peux. Enfin, encore non, même pas. J'allais vous dire, je peux me positionner sur le nombre de joueurs. Mais ça dépendra après du setup qu'on a. Hein, donc, mes parents, c'est vrai que c'était dommage. C'est que, ouais, le truc négatif, moi, à retenir, à redire sur l'organisation qu'il y a eu avec l'organisation, la haute instance, c'est qu'on a eu des problèmes de communication à un moment donné, des choses qui devaient venir qui ne sont pas venues. On n'a jamais eu notre plan de table alors qu'on le demandait depuis un petit moment, quoi. Et justement, le vendredi soir, quand on a vu le vendredi après-midi, quand on a vu les tables, on s'est dit « Ah, putain, on aurait pu mettre 8 tables supplémentaires, surtout que les tables, on les avait, comme je vous disais, si on les avait pas à la JSA ou Wargame Master, on les avait encore en backup avec Wargame Strike. Ouais. Donc voilà, là, on aurait pu monter sur un 56. Après, je peux pas dire officiellement, mais ça pourrait être le nombre qu'on pourrait être pour la prochaine édition si on reste sur Grenoble. Mais bon, voilà, ça, pour le moment, je m'avance pas du tout sur ça. Ok. Ok, ok. Bah ouais, ça aurait pu être sympa, effectivement. Ouais. Cool. Après, c'est vrai que ce qui a mis la puce à l'oreille façon sur à Julien et à Mathieu et à Manoé, c'est que on était capé sur un 36, on a booké en 48 heures, quoi. Alors d'accord, ok, quasiment l'intégralité de 40K et AOS était vendue aussi en l'espace de 2 heures. Mais pour nous, pour une première fois, arriver à dire à 36 et derrière 48 heures, enfin complet en 48 heures, ça va, belle perf. On était vraiment content. Ouais. C'est énorme quand tu vois que d'autres jeux. Surtout quand tu vois que d'autres jeux ont été annulés parce qu'il n'y avait pas assez de monde, quoi. Ouais. Donc, ah ouais. Et pensez aussi là aux orgas, l'orga pour Blue Ball, de façon Vincent est pour juger parce que Vincent s'était inscrit pour le Blue Ball. L'orga était détruit, quoi. Enfin, je sais pas s'il est venu d'ailleurs après. S'il était là, je crois qu'il est venu en 40K, mais je suis pas sûr. Mais il était dégoûté, quoi. Parce que la communauté, elle n'a pas répondu. Ils ont eu X nombre de places. Tu peux pas, après, derrière, dire, bon, voilà, t'en veux plus, etc. Mais du coup, pour les joueurs, ils en voulaient beaucoup plus que ce qui était proposé. Et personne a voulu se déplacer juste pour 40 places, quoi, tu vois. Ouais. Dommage. Effectivement. Effectivement. Ok. Bon, du coup, je pense qu'on va pouvoir arrêter là pour ce soir. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter par rapport à cet event? Pas d'anecdote, rien, quoi. Pas d'infos, pas d'anecdote, non, ça va. les nuits à l'hôtel, comment ça s'est passé et tout. Moi, je sais que Zekios ronflait. Arrête de mentir. Moi, je sais pas s'il y avait des gens qui ronflaient dans la chambre, parce que c'est moi qui ronflais. Ouais. Donc, tout va bien pour moi, quoi. Je te donne une anecdote, tu vas rigoler. Ouais. Parce que... Shadow, il ronflait. Ah. On arrive... avec Val, on dormait. Alors, tu sais, vers 5h30, il va aux toilettes, il revient. Et quoi, peut-être 20 minutes après, on entend. Tu es non. On entend quoi? J'ai pas entendu. T'as ronflé. C'est toi qui ronflais, mec. Toi, tu es vraiment dur. Mais le mec, tu sais, je regarde, et le mec, il avait la tête dans le coussin. Il fait... Il y a ça, et d'un coup, il y a le réveil, tu sais, mon réveil, il sonne sur le téléphone. Et j'arrête le réveil, je tourne la tête, d'un coup il n'y a plus de ronflement et il y a un œil qui s'est ouvert comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Ah si, je voulais rajouter quelque chose. Moi je voulais rajouter quelque chose. Je voulais remercier notre Airbnb justement, Thomas. Oui. Nous avoir accueillis, nous avoir laissé les clés vraiment en mode faites comme chez vous, quoi. Airbnb surtout à Échirolles, c'est ultra rare de tomber sur quelqu'un d'aussi gentil, d'aussi accueillant. Et voilà, donc Thomas, si tu nous écoutes, ou si tu vois la rediff ou quoi, merci infiniment. Merci Thomas. Merci beaucoup. Voilà.
Merci également à la JSA et à Evie. Encore une fois, voilà, je le répète. Et ça peut être cool. Ça peut être cool. On va terminer le live maintenant. Je vais rester en vocal, donc s'il y en a qui veulent parler un petit peu en off, je suis là. Pas trop longtemps, bien évidemment, parce que je sais qu'il y en a qui bossent demain, du coup. Je voulais rajouter un truc, Val. Vas-y, je t'écoute. Je voulais dire merci aussi à tous les youtubeurs qui sont venus pendant qu'on était en train de streamer. Ouais. Donc, Mélodie de War Adventures, Julien de Wargame Spirit, Evie de French Wargame. Oui, mais il y a aussi Julien de. Ah oui, monsieur Bizel. Julien de Wargame Spirit. On a eu Bastien aussi, le blond à lunettes. Merci. Iggy. On a eu Iggy TV. Ouais, nickel, ouais. Evie, bien évidemment. Evie. Et ouais. Surtout, autre chose aussi, j'aimerais remercier quand même toutes les personnes de ma communauté, de la communauté de la chaîne qui sont venues nous voir, quoi. Qui sont venues nous voir parce que, en mode, hey, salut. Et puis tu sais, tu regardes le truc, tu dis, hey, salut. Tu es obligé de retourner la carte pour regarder les noms parce que tu connais pas les visages, quoi. Donc c'est vraiment sympa. Effectivement, merci à Precia et Alpha Cast pour leur gentillesse et leur accessibilité. Et également merci à notre ami Koudelkar, à Jirio également de s'être laissé prendre en photo. C'était vraiment cool. Et si, yes. Petit message aux deux igouigoui qui étaient avec leur chapeau, leur bonnet en forme d'écureuil là, les tabletop nuts. Je suis désolé, je vous ai pas reconnu. Je vous ai pas reconnu du coup. C'est cool, on s'est vu. Les pauvres, j'avais même pas fait gaffe qu'ils étaient là, quoi. Et puis War Amateur aussi, qui était là, mais qu'on n'a pas vu. Voilà. Donc voilà, merci à toutes ces personnes-là. J'ai oublié des personnes. J'ai oublié qui. Merci Poulet, aussi, oui, d'être venu. Mais Poulet, il est venu pour le tournoi, c'est normal. Oui, il est venu sur le stream aussi. Oui, mais parce que je l'ai obligé à venir. Merci la Wag, aussi. Ouais, merci la WAG également, merci Poulet, merci Ebus, merci Staloutre, et merci également au président de la JSA, Gildas. Parce que j'ai pas oublié son prénom, par contre son pseudo j'ai un peu du mal encore. Aljamis. T'en oublies. Voilà, Aljamis. Et merci à Marjo. Et un autre. Mais qui ? Et merci Dan, merci aussi. Mais oui, mais ça je lui ai déjà dit, merci Dan. Et merci également à l'Orga, donc à Nono et à Shadow. Yes, mais c'est cool. Merci à eux, quoi. Merci à tout le monde. C'est vraiment trop cool. Et puis voilà, donc on va s'arrêter là pour ce soir. N'hésitez pas, s'il y en a qui veulent venir juste après en vocal pour papoter un peu, bah moi j'y reste, j'y suis. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à demain soir à partir de 20h. On va attaquer. Ah, vous allez voir qui c'est qu'on va attaquer. Je vous fais des gros bisous. Merci à vous d'avoir été là ce soir, c'était bien agréable. Et Nakara, la prochaine fois, viens nous voir. Hein, Morpion. Allez, des bisous. Ciao. Bonne soirée à tous, merci beaucoup. Elle est mythique cette photo.